Bien, bonjour à tous. Je suis Paul Charron, directeur du domaine renseignement, anticipation et menaces hybrides à l'IRSEM. Et je suis ravi de vous accueillir pour cette demi-journée d'études consacrée donc à la guerre hybride, notamment au concept de guerre hybride. C'est un concept qui a connu un succès plutôt phénoménal ces dernières années, ces dernières décennies même. Qui s'est largement imposé au sein des états-majors, au sein des armées, parfois des services de renseignement, dans le monde journalistique, plus difficilement dans le monde académique, où il est souvent critiqué, d'abord parce que finalement on a l'impression que sur le plan historique, il n'apporte pas forcément quelque chose de nouveau, que finalement les guerres ont toujours été hybrides. On ne voit pas bien quelle serait la nouveauté aujourd'hui, et aussi parce que ce concept serait peut-être insuffisamment heuristique. Il souffrirait en quelque sorte d'une incapacité à embrasser complètement les situations concrètes auxquelles nous assistons aujourd'hui. Alors forcément, l'actualité nous donne à la fois des raisons et de la matière pour penser ce concept de guerre hybride, et quelque part même nous impose finalement de revoir ce concept de guerre hybride à la lumière des événements récents. Alors c'est ce que nous ferons aujourd'hui, cet après-midi, à partir de ces deux tables rondes. Une première table ronde qui sera plutôt conceptuelle. On essaiera de dessiner un petit peu les contours de ce que nous nommons la guerre hybride. Et une deuxième table ronde qui essaiera de se pencher sur les appropriations, sur l'opérationnalisation finalement de la guerre hybride, et aussi de comment on peut répondre à ce qu'on englobe sous le terme de guerre hybride. Donc, pour commencer cette demi-journée, j'ai le plaisir donc d'accueillir Elie Tenenbaum, donc qui est le directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, donc spécialiste de ces questions, qui a publié un livre récemment avec Marc Ecker intitulé « La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle » et qui est voilà, la personne, sans doute, Ivan, pour présenter quelques mots d'introduction sur le concept de guerre hybride. Merci. Je vais à la tribune, c'est ça? Le grand oral. Merci Paul, merci Maxime pour l'organisation de cette journée. Effectivement, comme ça a été dit, le concept est présent depuis au moins une quinzaine d'années dans le paysage de la communauté stratégique et intellectuelle. Et personnellement, je m'étais penché dessus autour de 2015 et j'avais commis un papier à l'IFRI qui s'appelait « Le piège de la guerre hybride », expliquant que le concept était piégeux parce qu'effectivement, il recouvrait tout un tas de sens différents en fonction de la personne avec qui vous en parliez et parce que du fait d'une certaine historicité du concept, les premiers qui avaient utilisé le terme n'avait pas maîtrisé, on va dire, la charge sémantique. Donc, c'est-à-dire que le terme de guerre hybride, puis de menace hybride, d'hybridité, et enfin de zone grise, avait eu tendance à glisser en fonction du temps et des personnes qui l'employaient. Globalement, pour autant, même si c'est pas forcément le sens initial. Aujourd'hui, quand vous parlez de guerre hybride entre gens de bonne compagnie, si je puis dire, ce qui va surtout remonter, c'est l'idée de forme d'agression sous le seuil de la conflictualité armée caractérisée comme telle dans le droit international et des formes de contournement. D'un certain nombre de normes pour parvenir à leur fin à travers ce qu'on a longtemps appelé, pour le coup, les stratégies indirectes. Cette problématique peut sembler effectivement un petit peu incongrue dans le monde dans lequel nous vivons du post-24 février. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine qui vient de nous renvoyer
en plein visage, si je puis dire, ce qu'on appelait également dans des débats sans fin au sein de la communauté académique et stratégique française, la haute intensité, c'est-à-dire les guerres majeures d'affrontements symétriques ou dissymétriques, mais entre forces armées, ce que les anglo-saxons appellent parfois « force on force », donc des forces militaires qui se rencontrent de manière frontale et non plus contournée ou indirecte, comme ça a pu être le cas par le passé. Du coup, il serait logique de se poser la question, de se demander si ce colloque sur la guerre hybride, aujourd'hui, dans ce monde de l'après 24 février, ne pose pas la question d'une guerre de retard. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui en décalage? On est rentré dans un nouveau monde où, à nouveau, la guerre classique conventionnelle est en fait la forme majeure d'affrontement des États. Ma réponse est non. Vous avez donc tout de même raison d'organiser ce colloque, mais ce n'est pas à moi de le dire, pour deux raisons que je vous incite à et que je vais élaborer rapidement. La première raison, c'est tout d'abord que ce n'est pas parce que la compétition et la contestation, pour employer là aussi une nouvelle terminologie qui domine depuis la publication de la vision stratégique du chef d'état-major des armées à l'automne dernier et qui correspond grosso modo à cette phase de la conflictualité, plutôt en amont, plutôt sous le seuil. Donc cette compétition et cette contestation et ces stratégies de guerre hybride, elles ne cessent pas au prétexte qu'un théâtre a basculé dans l'affrontement, c'est-à-dire la phase haute, dite haute intensité, de la conflictualité. Vous avez d'autres théâtres en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique, et je sais que toutes ces régions seront évidemment balayées au cours de cette demi-journée d'études, enfin en partie, sont des espaces où les puissances, grandes ou moyennes, continuent se mener une compétition acharnée avec des méthodes qui sont proches de celles de la guerre hybride. Donc évidemment, le théâtre ukrainien en tant que tel n'a pas vocation à effacer tout le reste, et même en Europe, on est en fait très largement dans la poursuite de ces formes de compétition sous le seuil de l'agression armée, si on exclut le théâtre sur lequel tous les médias ont les yeux rivés aujourd'hui. Le second point, c'est qu'il s'agit d'aspects cumulatifs et non pas alternatifs, la guerre hybride et la guerre classique. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, et ça s'est fait à travers l'histoire, continuer à déployer des stratégies hybrides sous le seuil pendant même que vous êtes en affrontement avec un adversaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques faisaient de la guerre psychologique, ce qui ne les empêchait pas de bombarder les villes allemandes et de conduire des combats avec les Alliés sur tout un tas de fronts périphériques dans la première période de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Et la troisième raison pour laquelle on a, à mon avis, une pertinence, on va dire, continue de ces problématiques, c'est que précisément le déroulement de la guerre en Ukraine aujourd'hui et les difficultés rencontrées par la Russie sont, à mon avis, de nature à réévaluer le coût de l'agression ouverte qui aurait pu être, et qui le semble a posteriori, grossièrement sous-estimée par l'acteur russe, qui se dit finalement pourquoi m'embêter ou pourquoi essayer de chercher à contourner si je peux obtenir ce que je souhaite par une agression directe. Aujourd'hui, l'incapacité à réaliser son effet politique avec sa force brute montre et va sans doute faire réfléchir tout un tas d'autres acteurs, y compris, pourquoi pas, les Russes eux-mêmes, sur finalement l'intérêt ou la pertinence continue de ces modes d'action indirects.
Voilà un petit peu comme point d'entrée les raisons de cette pertinence, à mon avis, qui demeure. Quelques éléments, je vais être rapide, sur les données du problème et les motivations qui incitent les acteurs étatiques ou non étatiques à recourir à ces méthodes de guerre hybride ou de stratégie hybride. Tout d'abord, comme dans tout système, il existe des acteurs qui sont insatisfaits. On parle en théorie de relations internationales de révisionnisme, qui estiment, à tort ou à raison, et ce n'est pas notre rôle de juger ici, qu'ils souhaitent changer tout ou partie du fonctionnement de l'ordre international. Vous avez toute une typologie qui peut exister, des puissances affaiblies ou des puissances qui s'estiment humiliées. On connaît cette rhétorique évidemment fortement du côté russe sur la période post-guerre froide, mais également des puissances émergentes, considérées comme telles et se considérant elles-mêmes comme telles, évidemment la Chine, mais aussi la part d'humiliation dans le narratif chinois a sa place aussi, qui font preuve du côté des puissances émergentes d'une patience stratégique qui n'est pas forcément la même que celle des puissances affaiblies ou déclinantes, et puis des puissances opportunistes qui cherchent à profiter des ouvertures, des évolutions du champ international. Tout ce type d'acteurs, évidemment, cherchent à changer la donne. Pour autant, les moyens qui leur sont à disposition sont limités, ils sont contraints. Ils sont contraints par un certain nombre de mécanismes de ce qu'on appelle l'ordre international, le statu quo, et notamment des mécanismes de sécurité collective, et parfois de défense collective, qu'on voue beaucoup aux hégémonies ces derniers temps. Évidemment, on critique le Conseil de sécurité des Nations Unies pour son inaction, mais pour autant, l'isolement relatif, certes, mais pas moins significatif de la Russie, justement, après le 24 février, montre que ça continue à peser et ces mécanismes de sécurité collective constituent un frein à l'emploi de la force armée pour réviser cet ordre international. On a un zoom qui est déconnecté, mais je laisse les techniciens gérer cet aspect. Vous avez assez vite des pressions internationales qui sont fortes pour faire cesser une agression et des éléments de coercition diplomatique et économique qui jouent pleinement leur part. Et l'affaire des sanctions auxquelles est évidemment soumise la Russie aujourd'hui est suffisant, à mon avis, pour au moins donner matière à réflexion aux acteurs qui souhaiteraient suivre une voie similaire à l'avenir. Donc là, on est toujours dans l'argumentaire pour dire que la manière même dont la guerre en Ukraine se déroule aujourd'hui n'est pas forcément de nature à inciter d'autres acteurs révisionnistes à se dire qu'ils utiliseront les mêmes outils. À partir de là, un intérêt donc à contourner ce seuil de l'agression fixé dans l'ordre international et justement à essayer de brouiller les lignes de l'agression pour parvenir à remettre en cause le statu quo qui est estimé contraire aux intérêts par des mécanismes de contournement. Quelques mécanismes que je soumets à votre sagacité ici, qui me semblent intéressants et spécifiques du contexte d'hybridité, du concept d'hybridité. Le premier, c'est la tactique du salami, que vous connaissez peut-être, qui consiste à créer une accoutumance à l'agression.
Le terme de tactique du salami, vous l'avez peut-être déjà entendu comme étant associé à la personne de Joseph Staline, ce qui n'est pas le cas en fait. C'était un autre communiste qui était hongrois, qui s'appelait Matthias Rákosi, qui avait identifié et théorisé l'élimination des dissidents en Hongrie dans les années 20, comme un salami, en disant que tranche après tranche, le salami ne se défend évidemment pas, mais on a l'impression que le salami ne réduit pas, mais sauf qu'à la fin, il reste plus rien. Une autre métaphore, c'est celle que vous connaissez peut-être de la fable de la grenouille qu'on fait cuire très lentement dans l'eau bouillante, et que si vous augmentez de manière suffisamment justement incrémentale la température, la grenouille ne sautera pas hors de la marmite, alors qu'évidemment, si vous la plongez tout de suite dans une eau qui bout à son degré, elle va vite essayer de s'en sortir. Donc créer une accoutumance à l'agression pour minimiser les réactions et finalement mitridatiser un petit peu les mécanismes de réponse. Un exemple qui sera sans doute évoqué, c'est celui de la Chine en mer de Chine méridionale. Si dans les années 90, la marine de l'APL avait débarqué sur les Spratleys et installé un système de défense anti-aérienne HQ-9 et des systèmes anti-navires et transformé au bulldozer les récifs pour y installer des pistes d'atterrissage militaire, il y aurait sans doute eu une réaction internationale forte. Au contraire, comme ils l'ont fait de manière très progressive, avec des actions de pêche illégale, de revendications juridiques à la cour d'arbitrage, même si ça a été perdu, on continuait, et puis progressivement aller vers de la poldérisation civile, et enfin seulement d'aller vers une forme de militaire, et finalement à chaque étape, on estimait que ce n'était pas suffisant pour caractériser une agression, et à la fin, si vous avez suffisamment de patience, vous arrivez au même résultat. Un deuxième mécanisme intéressant, qui est presque l'inverse, c'est celui du fait accompli. Au contraire, il s'agit d'aller suffisamment vite dans une action de remise en cause pour ce que j'appelle renverser la charge de l'agression. Un exemple intéressant, c'est celui de la Crimée en 2014, et sans doute ce qui était en tête dans la tête de Vladimir Poutine le 24 février dernier, c'est-à-dire mettre la communauté internationale devant le fait accompli et créer de fait un nouveau statu quo pour se positionner en puissance de conservatrice du statu quo et non plus de révisionniste. C'est-à-dire que la Crimée en 2014, vous avez pratiquement du jour au lendemain un territoire entier qui bascule d'une obédience à une autre. Si les Ukrainiens, et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont essayé de faire, mais dans le Donbass, après, essayent de reconquérir la Crimée, ils apparaissent tous aux yeux du monde comme une puissance offensive, cherchant à reconquérir un territoire. De fait, sur le plan politique et stratégique, ils sont sur la défensive. Le territoire, jusqu'à la veille, était ukrainien, mais comme sur le plan opérationnel, d'une certaine manière, le révisionniste a renversé la charge, il peut se dire, mais non, écoutez, ça c'est le statut maintenant, moi je ne fais que défendre et je ne cherche pas à aller plus loin. On parle aussi dans le champ de la dissuasion de sanctuarisation agressive, c'est-à-dire d'étendre le périmètre des intérêts vitaux et défensifs de ce point de vue-là. Et puis le dernier point, et puis j'arrive bientôt au terme, le dernier mécanisme, mais qui participe un petit peu des deux précédents, c'est celui de l'ambiguïté, ambiguïté stratégique, qui consiste à créer un dilemme pour le défenseur, en le forçant à placer une ligne rouge, d'une certaine manière, et à dire, voilà la ligne qui va aller trop loin. Donc ça répond aussi bien à la tactique du salami qu'à celle du fait accompli, en forçant, d'une certaine manière, le défenseur du statu quo de l'ordre international à apparaître comme celui qui
trace ou qui délimite les catégories, et donc et à assumer le choix de l'escalade. On a plusieurs exemples qui peuvent exister sur cette ambiguïté, comme par exemple l'utilisation des armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad en Syrie, non revendiquée. Et la non revendication est essentielle dans le mécanisme de l'ambiguïté, puisqu'on dit maintenant c'est vous qui décidez de considérer que j'ai employé ces armes chimiques, que j'ai franchi une ligne rouge qui a été définie par vous, et d'une certaine manière a forcé le défenseur du statu quo à assumer cette escalade. On a deux niveaux d'ambiguïté qui expliquent aussi les deux conceptions un petit peu différentes de l'hybridité que je distingue, moi, entre guerre hybride et menace hybride. L'ambiguïté liée à la guerre hybride, on est relativement en aval de l'aspect de la conflictualité internationale. Par exemple, la question que pouvaient se poser les Ukrainiens entre 2014 et 2022, de se dire bon, on sait qu'on est en guerre dans le Donbass, officiellement face à des séparatistes pro-russes, donc on sait bien qu'ils sont soutenus par la Russie, mais est-ce qu'on est effectivement en guerre avec des séparatistes ou est-ce qu'on est en guerre avec la Russie sans le savoir ? C'est une ambiguïté, et en fonction de la réponse que vous apportez à cette ambiguïté, évidemment, il y a des conséquences significatives qui peuvent se déclencher, puisque soit vous êtes dans un conflit armé non international, sous le seuil de l'agression article 56, on va dire, des Nations Unies, soit vous êtes de l'autre côté du seuil. C'est un petit peu la question qui persiste aujourd'hui, mais non plus pour l'Ukraine. L'Ukraine est en guerre avec la Russie aujourd'hui, l'ambiguïté est totalement levée, mais entre l'OTAN et la Russie. L'OTAN entretient un discours pour dire nous sommes. Lapsus révélateur. La Russie entretient un discours pour dire nous sommes en fait en guerre avec l'OTAN. Alors, ce n'est pas constaté, il n'y a pas d'hostilité réelle, mais il y a un discours de ce côté-là qui est ambigu, puisqu'il ne se traduit pas dans les faits par des mesures effectivement offensives de la part de la Russie contre l'OTAN. Pour autant, comment est-ce que les pays de l'OTAN doivent se positionner vis-à-vis de la Russie ? Donc on est toujours dans cette ambiguïté qui, je dirais, est l'ambiguïté de la guerre hybride. Plus en amont, sur le spectre de la conflictualité, vous avez l'ambiguïté liée aux menaces hybrides ou à la zone grise entre la guerre et la paix, ou zone grise, pourrait-on dire, entre la compétition et l'affrontement, donc ce qu'on fixe généralement sous le terme de contestation. C'est plus subtil, c'est de savoir si finalement le compétiteur qui est face à moi est encore dans une logique normale de compétition pacifique ou même stratégique sur la scène internationale, ou si on est rentré dans quelque chose d'autre. La Chine est aujourd'hui davantage dans cet espace-là que dans celui de la guerre hybride. Donc ils sont davantage, à mon avis, dans la zone grise ou dans les menaces hybrides que dans la guerre hybride. Voilà, je m'arrête là, je pense, et je soumets évidemment toutes ces réflexions à discussion et souhaite un bon début pour ce petit colloque. Merci. Merci beaucoup, Élie. Désolé pour ces petites interruptions et je pense que Zoom est coupé. Ça prouve bien que l'hybridité, ça ne marche pas toujours, justement, qu'on est beaucoup mieux entre nous. Donc, je vais demander tout de suite aux quatre panélistes suivants de venir s'installer ici et peut-être justement...
tu peux rester 5 minutes si tu veux. Ouais, comme tu veux. Mais juste pour dire quelques mots avant qu'il s'installe, donc merci pour cette passionnante introduction, Élie, qu'on va prolonger justement avec cette première table ronde, qui, vous le verrez, est aussi un prélude à la seconde table ronde, puisqu'elle dialogue aussi entre elles. Où nous allons aborder pendant ce premier temps la dimension conceptuelle. Donc, Élie, on a déjà parlé, mais on va la prolonger avec Amélie à l'instant. Et puis aussi la dimension doctrinale de cette guerre hybride. On aura d'abord donc du coup Amélie Ferré qui va nous parler de l'idée d'ambiguïté et revenir aussi sur cette notion mouvante de seuil qui est centrale pour comprendre la guerre hybride. Avant de régionaliser la réflexion, puisque nous aurons d'abord avec Maxime Lebrun une réflexion sur la manière dont les démocraties européennes définissent justement les menaces hybrides. Et puis on détaillera avec Dimitri Minik et Héloïse Fayet comment deux États autoritaires, la Russie et l'Iran, conçoivent à leur tour ces conflictualités hybrides dans leur propre concept doctrine. Alors je présente rapidement les panélistes le temps que Zoom revienne. Amélie Ferré. On va vous voyez. Vous êtes chercheuse au sein du Centre des études de sécurité de l'IFRI, qui est très bien représenté, comme vous le voyez, où vous coordonnez le laboratoire de recherche sur la défense. Et vos recherches actuelles portent sur le concept de guerre douce ou de soft war dans les conflictualités contemporaines, notamment dans le domaine du lawfare et de la guerre cognitive. Et je rappelle que vous avez publié en 2020, aux éditions du CNRS, « Assassinat ciblé, critique du libéralisme armé », qui est un ouvrage issu de votre thèse à Sciences Po. Maxime Lebrun, vous êtes senior analyste au Centre européen d'excellence de lutte contre les menaces hybrides, qui est situé à Helsinki. Vous travaillez sur la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN en matière de lutte contre les menaces hybrides. Et vous travaillez aussi sur les questions de résilience face à ces menaces. Et vous avez auparavant enseigné au Collège Interbal de Défense à Tartu, en Estonie. Dimitri Minik, vous êtes... je sais pas où est Dimitri. Ah oui, ben non, pardon, t'es là, excuse-moi. Dimitri, vous êtes chercheur au Centre Russie-Hanoï de l'IFRI. Vous êtes docteur en histoire des relations internationales de Sorbonne Université. Vos recherches actuelles portent sur la pensée et la culture stratégique russe. Et enfin, Héloïse Fayet, vous êtes chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI, où vous coordonnez le programme dissuasion et prolifération. Vous travaillez donc précisément sur les questions nucléaires, mais aussi sur la thématique des menaces hybrides, en particulier au Moyen-Orient. Et avant de rejoindre l'IFRI, vous avez passé plusieurs années au ministère des Armées en tant qu'analyste spécialiste des forces armées au Moyen-Orient. Donc je laisse la parole à Amélie, qui va nous parler, qui, je rappelle, est politiste aussi, théoricienne du politique, et qui va nous donner aussi une introduction conceptuelle sur cette notion. Je te laisse la parole. Alors, tu peux parler là ou là-bas, comme tu préfères. Moi, je vais parler là. Mais peut-être qu'on ne se dérange pas si on échange comme ça, je serais. Donc, merci. Oui, donc merci beaucoup donc aux organisateurs de ce colloque, donc Paul et Maxime, de l'avoir organisé et de m'y avoir convié. Je suis très contente d'être ici puisque avant donc j'étais aussi à l'IRSEM avec eux et donc ça me permet donc de revenir sur des échanges nombreux qu'on a eus. Alors, Maxime m'a donné la difficile tâche de parler de seuil et ambiguïté au cœur de la guerre hybride, sachant que, évidemment, le concept même de guerre hybride est ambigu. Et donc, je vais peut-être commencer par là. On a parlé tout à l'heure donc, de mouvance, c'est-à-dire de la capacité de ce concept à prendre différentes formes, à se métamorphoser. Peut-être qu'il faudrait simplement rappeler qu'il y a deux définitions qui coexistent aujourd'hui et qui ont... Le micro marche pas ? Ben, si, bon, je vais aller là-bas alors. Non, mais sinon, oui, voilà, je vais aller au pupitre. Là, ça marche mieux. Ah, ouais, non, mais je vais aller au pupitre. Simplement, il faudra me dire si je prends trop de temps.
Donc, je disais donc que la guerre hybride est un concept qui est ambigu et donc qui a évolué. Et il a évolué parce qu'il a répondu aussi à des agendas politiques différents. Et Élie l'a rappelé tout à l'heure, c'est un concept qui a été assez décrié, notamment dans le monde universitaire, parce que voilà, on a associé le concept de guerre hybride à un concept de valise, une forme d'auberge espagnole stratégique qui a été utilisée par différents acteurs pour pousser leurs propres agendas. Mais il faut quand même noter que c'est un concept qui a eu une traduction doctrinale, même s'il a eu davantage en parlant de menace hybride, sachant que le terme menace hybride donc oblitère la question des acteurs qui ne sont pas nommés. Et donc, qui est utilisé dans les communautés stratégiques. Donc, au lieu d'enterrer ce concept de guerre hybride au nom, justement, de son caractère malléable, moi, je ne serais pas aussi sévère. Et j'aimerais suggérer ici que cette plasticité, elle lui permet, au contraire, d'avoir une dimension heuristique dont parlait Paul tout à l'heure, puisque, justement, il lui permet de prendre en charge une pluralité de situations, et il est normal que les concepts soient aussi instrumentaux. Ils visent à faire sens du monde, à le rendre intelligible, et donc ils sont affectés par la réalité qu'ils recouvrent et dont ils doivent rendre compte. Donc on a deux définitions, simplement, je le rappelle. Une première originelle qui est donc proposée en 2005 par Matisse et Hoffman, qui donc conceptualise la guerre hybride comme un conflit qui oppose un État avec des acteurs irréguliers, mais qui ont des capacités plutôt étatiques, donc des missiles anti-chars, par exemple, des drones, des systèmes de défense anti-aérienne. Et donc, cette définition, elle visait d'abord à sécuriser des budgets dans le débat qui existait à l'époque dans la communauté stratégique européenne, américaine, pardon, entre la technologie et partisans d'une technologie et les partisans des boots on the ground. En 2014, après donc les actions russes en Crimée, la définition évolue et commence à désigner en fait un mélange entre cinétique et non cinétique, avec donc toute l'idée de maintenir un flou ou une ambiguïté dans les intentions. Et c'est là que rentre en œuvre vraiment la notion d'ambiguïté. Et d'ailleurs, je me permets de rappeler à ce titre qu'on a beaucoup parlé donc, des petits hommes verts russes qui se sont groupés à la frontière sans s'identifier comme étant militaires. Mais en réalité, il s'agit d'une ruse de guerre qui est autorisée dans les commentaires des conventions de Genève, ce qui montre que donc, le droit n'est pas toujours aussi tordu ou aussi absent que ce qu'on veut bien, ce qu'on veut bien dire. Donc aujourd'hui, on est dans une situation de malaise conceptuel. On a une prolifération, une inflation de concepts, voire une course aux concepts qui traduit ces incertitudes stratégiques sur l'évolution de la prise en compte des conflictualités. Là, Héloïse va parler tout à l'heure de la guerre combinée en Iran, donc une notion qui recouvre aussi cette hybridité qui est donc à l'honneur aujourd'hui. En Israël, on parle de guerre entre les guerres pour désigner donc ces situations de conflit qui sont donc sous le seuil. En France, on a parlé de guerre avant la guerre. Donc voilà, on voit que c'est cette multiplication en fait de termes pour désigner une même réalité, pour essayer de la caractériser, montre que cette réalité, justement, elle doit être prise à bras le corps par la recherche. Et donc le critère déterminant ici qui permet de qualifier le concept de la guerre hybride et qui permet finalement de le rendre opérant, c'est précisément celui du seuil, soit celui de la limite au-delà duquel commence donc un état de guerre, soit la déclaration des intentions hostiles ouvertes d'un pays avec la débauche de moyens qui va avec et qu'on peut voir aujourd'hui en Ukraine. De quelle nature sont ces seuils? On a d'abord un seuil qui est de nature juridique, puisque l'expression consacrée donc, d'une opération qui je continue hein, qui d'une opération qui serait sous le seuil. Donc c'est le seuil ici, c'est celui de l'article 51 donc sur le droit à la légitime défense de la Charte des Nations Unies, et pour l'OTAN donc la clause de défense mutuelle donc qui est définie à l'article 5, et donc ces actions sous le seuil, donc ce seraient des actions qui ne rentreraient pas dans ces catégories, sachant que là aussi c'est intéressant, puisque même si un seuil peut être clairement défini et ancré dans le marbre d'un traité, l'interprétation, elle reste politique.
Un des exemples paradigmatiques, c'est évidemment la tentative d'empoisonnement de Sergei Skripal, donc avec un agent chimique dans la ville anglaise, donc de Salisbury, en 2018. Et la réaction de Theresa May à cet égard, elle est intéressante, puisqu'elle déclare au Parlement britannique « Should there be no credible response, we will conclude that this action amounts to an unlawful use of force by the Russian state against the United Kingdom. » Donc ce qui implique que la Russie aurait agi en violation de l'article 2 de la Charte des Nations Unies qui interdit donc l'utilisation de la force armée et que donc on aurait pu avoir une situation de légitime défense, voire l'activation de la clause de défense mutuelle de l'OTAN. Donc là encore, tout dépend de l'interprétation juridique du seuil. Il y a aussi une question qui est une petite musique qui monte dans la communauté stratégique aujourd'hui sur l'éventualité d'une invasion russe en Estonie, Lettonie, est-ce que ça déclencherait justement l'article 5 ou pas? Donc c'est simplement pour vous dire que ce seuil juridique, même s'il apparaît assez clair, il est toujours soumis à une évaluation politique. Donc on en arrive à la deuxième, nature ou la deuxième catégorie de seuil, qui est donc le seuil politique sur l'acceptabilité, sur la gestion de l'escalade. Et là, on peut voir que la perception des lignes rouges, elle est elle aussi une question d'interprétation et elle est décisive parce que c'est elle qui va permettre en fait de maximiser la liberté d'action des différents participants. Et là, j'aimerais simplement revenir donc justement sur Israël parce que je trouve que c'est assez intéressant dans la guerre qui se mène entre Israël et l'Iran, notamment sur le recours à tout ce qui est élimination ciblée. On voit en fait que la question de l'attribution ne joue pas tant que ça. Il faut peut-être relativiser à travers cet exemple son importance, puisque Israël donc reconnaît à demi-mot participer à ces actions. Elle ne s'en cache pas. Elle d'ailleurs, ça participe à sa position de dissuasion en disant voilà, on admet, on reconnaît, même si on ne le fait pas officiellement, mener des campagnes d'assassinat sur le sol iranien. Et d'ailleurs, ça crée un certain nombre de remous en Israël même, où des généraux expliquent qu'Israël s'expose trop et qu'il y a une rupture, justement, dans l'idée de ne plus nier ce type d'action. Et donc là, on est vraiment dans la volonté de faire connaître son seuil pour tester aussi les lignes rouges de l'ennemi. Il y a un troisième seuil qui est un seuil de nature technologique. Comment répondre à des actions qui sont menées en utilisant des nouvelles technologies? Donc, il y a eu tout un débat sur le cyber. Est-ce que ça a autorisé une réponse cinétique ou non? Demain, il y a aussi la question du spatial. Est-ce que si on a une attaque qui est menée à partir des débris d'un satellite ennemi qui aurait été descendu lors d'un tir d'essai anti-satellite, comment on réagit? Donc ça, je laisse les spécialistes en parler, ou peut-être je laisserai ça pour les questions. Et enfin, la dernière nature du seuil, c'est la nature stratégique qui est sur la temporalité. Donc, c'est-à-dire à quel moment cette gestion du seuil, en fait, on est prêt à sortir du bois pour arriver à une situation de fait accompli. Et là, j'aimerais simplement citer le cas justement de l'invasion de l'Ukraine par les Russes, qui ont utilisé donc les provisions 48 et 51 du document de Vienne, qui en fait réglemente les exercices militaires, en faisant donc en fait oblitérant ou en entretenant un flou sur leurs intentions et sur les mouvements de troupes, en les faisant passer pour des exercices justement sans notification, ce qui leur permettait de ne pas avoir à notifier leurs partenaires et surtout à ne pas avoir d'observateurs internationaux. On le retrouve, ça a été mentionné par Élie, sur les espaces communs, donc sur justement les eaux, la question des eaux internationales en mer Noire. On a des navires de guerre russes qui contrôlent ces eaux et qui du coup empêchent des navires de quitter l'Ukraine avec des cargaisons qui sont plutôt de nature civile, notamment des cargaisons de blé, et donc des armateurs qui refusent d'envoyer leurs bateaux dans ces eaux qui sont pour
pourtant des eaux internationales. Et ce qui se passe d'ailleurs sur l'eau se retrouve aussi dans l'espace aérien, puisque dans l'espace aérien, au-delà des 12 nautiques de côte, on est dans un espace aérien international. Et aujourd'hui, il y a très peu d'avions militaires de partenaires occidentaux qui s'aventureraient pour faire des exercices dans cette zone, parce que justement, il y aurait une peur d'une mauvaise gestion de l'escalade et de l'envoi d'un mauvais signal. Et donc la question, et je conclurai par là, c'est vraiment comment faire pour préserver sa liberté d'action dans ce contexte, puisque l'effet recherché sur ces incertitudes dans la définition des seuils, c'est celui d'une paralysie, d'une sidération des processus de décision gouvernementaux occidentaux et donc d'une mise mettre les différents pays devant le fait accompli. Et j'aimerais simplement noter ici que ça participe aussi du discours sur l'inanité des régimes démocratiques, puisque si on revient à la théorie politique, le régime démocratique, il vise d'abord à dépersonnaliser en fait l'exercice du pouvoir, avec une distinction qui est faite entre l'individu et la fonction. Et donc, on va essayer de rationaliser les prises de décision par des process qui donc échoit aux fonctions et pas nécessairement à l'individu, alors que au contraire, en Russie, mais aussi en Iran, on a plutôt un mouvement de personnalisation du pouvoir et donc des chaînes de décision qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus agiles. Et donc la question, c'est comment on fait quand on est justement des démocraties libérales qui sont marquées par ces chaînes et ces process pour réduire les boucles de décision, pour avoir plus d'agilité et pour permettre de ne pas être pris dans l'incertitude stratégique ou dans le brouillard conceptuel sur la notion des seuils. Et pour ça, je pense qu'il faut... Il faut aussi relativiser toute cette rengaine qu'on entend beaucoup sur la nécessité d'arrêter de penser en silos. Je sais que c'est très à la mode, mais en réalité, les silos et les différences et la séparation des pouvoirs et la multiplication des centres de décision, c'est aussi en fait l'ADN de nos systèmes politiques. Et donc, ces différents silos et cette multiplication des centres de décision, ils sont aussi là pour nous protéger d'une forme d'arbitraire du pouvoir. Et je pense que c'est là que la réflexion doit se situer. Et donc, j'aimerais simplement conclure par un clin d'œil, puisque Simone de Beauvoir a publié en 1947 un livre qui s'appelle « Pour une morale de l'ambiguïté », dont je trouve le titre fort à propos. Elle écrit donc dans ce livre, je la cite, « Il ne faut pas non plus servir avec entêtement une morale abstraite. La violence ne se justifie que si elle ouvre des possibilités concrètes à cette liberté que je prétends sauver. » En l'exerçant, je prends bon gré mal gré un engagement par rapport à autrui et à moi-même. Et je pense que justement, ce qu'il faut, l'objectif qu'il faut, vers lequel il faut tendre, c'est préserver notre moralité et notre ADN politique en assumant nos responsabilités et en travaillant justement à la définition claire des différents seuils que j'ai mentionnés. Merci. Merci beaucoup, Amélie, pour cette très bonne transition qui me permet justement d'introduire donc cette deuxième phase du panel où vous verrez on va se demander comment justement ces questionnements sur l'ambiguïté, sur le seuil vont irriguer les doctrines de différents pays et notamment différents régimes politiques. Et ce qui est intéressant dans cette dimension, c'est les jeux de miroirs qu'il peut y avoir, la circulation de ces concepts, de ces pratiques entre ces différents pays. Et puis, au-delà de ça, comment, et Maxime va nous en parler tout de suite, comment ces différents États qualifient en fait leurs propres pratiques. C'est-à-dire pourquoi ils utilisent cette notion. C'est le cas par exemple avec celle de menace hybride, qui est, il me semble, davantage destinée à qualifier les pratiques de l'adversaire, notamment l'adversaire autoritaire, mais pas seulement, plutôt que ses propres pratiques, ce qui n'est pas forcément le cas quand on regarde d'autres contextes. Donc on va commencer tout de suite avec l'Europe. Et Maxime Lebrun, du coup, je vous laisse la parole pour 15 minutes, s'il vous plaît. 14, idéalement. 12. Un peu de retard. Bon, merci beaucoup.
Effectivement, et un grand merci pour l'IRSEM de m'avoir invité pour m'exprimer ici. C'est toujours assez bénéfique de pouvoir sortir de son bureau. Et puisque je suis en Finlande, à Helsinki, j'ai un peu plus chaud ici, donc c'est assez agréable. Donc effectivement, beaucoup de choses ont déjà été dites sur la définition des menaces hybrides, donc ça ne me facilite pas la tâche, évidemment. Donc je viens du Centre d'excellence européen pour la lutte contre les menaces hybrides. Donc, c'est-à-dire que je ne parlerai pas de guerre hybride et à dessein, parce que nous traitons de menaces hybrides, mais j'essaierai aussi de potentiellement donner quelques éléments pour dépasser cette idée même de menaces hybrides, et pour parler peut-être de campagnes ou de stratégies hybrides, qui sont peut-être plus pertinentes dans certains contextes. Et ensuite, évidemment, je me base sur les regards européens, sur ce que je peux observer à la fois dans les travaux et dans la communication entre les chercheurs au sein du Centre d'excellence. Et c'est pourquoi je tâcherai de tracer quelques lignes forces en matière de réponse à ces menaces hybrides ou à ces campagnes hybrides qui oscillent souvent entre dissuasion et résilience. Donc comment aussi définir les deux ? Parce que je pense qu'une politique saine a besoin d'une définition très claire. Et je trouve que les menaces hybrides sont le domaine par excellence, évidemment, de définition ambiguë. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je vais d'abord revenir sur trois grandes idées forces qui, à mon sens, sont très importantes dans la définition des menaces hybrides. Il y a trois aspects. Donc, l'aspect combinatoire, évidemment, hybride veut dire combinaison de différents moyens, de différents outils. Un aspect asymptotique, c'est-à-dire éviter les seuils. Donc cet aspect des seuils qui est assez important, de ne jamais atteindre un certain point. Et enfin, troisième point, une intention de surprendre, parce que les menaces hybrides sont destinées à être ambiguës, destinées à confondre la cible, à ne pas lui permettre de réaliser exactement ce qui se passe et comment répondre et comment décider de façon assez rapide et à la hauteur des enjeux. Donc voici, je pense, les traits généraux, pour simplifier à l'extrême, les traits généraux du concept de menaces hybrides, qui sont somme toute des anciennes, assez consensuelles à l'international. Mais maintenant, et peut-être pour dépasser cette idée de menace hybride elle-même, j'aimerais apporter une critique constructive de ce que je viens de dire, et en passant davantage d'une logique de définition à une logique d'implication. Donc ce que l'hybridité implique, plus que comment définir l'hybridité. Donc j'aime mieux parler de campagne hybride plutôt que de menace hybride, parce que conceptuellement, nous avons des acteurs étatiques ou des acteurs non étatiques qui peuvent instrumentaliser une série de menaces qui préexistent, qui pèsent sur les sociétés comme des potentialités négatives, et donc qui sont instrumentalisées et combinées à dessein. Donc c'est pour ça que je préfère parler de campagne ou de stratégie hybride, qui, à mon sens, fait davantage de sens. Donc une campagne hybride, et ça c'est la première implication majeure dont j'aimerais parler, cherche à réduire notre marge de manœuvre, c'est-à-dire nous placer dos au mur en limitant nos options de réponse, en ne nous permettant pas de réfléchir à ce qui pourrait être le plus pertinent pour répondre aux campagnes hybrides, à compliquer la prise de décision en maintenant de l'ambiguïté sur ce qu'il se passe, l'ambiguïté fondamentale. Ensuite, deuxième implication majeure, qui me semble très important de rappeler, et la raison pour laquelle je rappelle cette implication majeure, c'est parce que nous sommes des démocraties libérales, et c'est-à-dire qu'une campagne hybride cherche à nous pousser dans une contradiction morale, c'est-à-dire à nous faire peser un fardeau moral sur les épaules dans l'élaboration de nos réponses. C'est ce qu'on observe, c'est-à-dire que les campagnes hybrides cherchent à pousser une démocratie libérale à prendre des décisions contraires à ses valeurs fondamentales, à son essence, à sa nature libérale et démocratique, pour ensuite, parce que la plupart des campagnes hybrides prennent leur origine dans des régimes autoritaires, donc le but de nous faire peser une contradiction morale, c'est de pouvoir, in fine, pouvoir pointer une supposée hypocrisie du modèle libéral. C'est-à-dire que nous tenter de répondre à de la désinformation en limitant la liberté de la presse, ou nous tenter à réduire nos libertés ou à nous contredire sur nos valeurs fondamentales. Évidemment, l'exemple que j'aime bien prendre pour illustrer cet aspect à la fois de réduction de la marge de manœuvre et de contradiction morale, c'est le cas polonais avec l'instrumentalisation des migrations à la frontière bélarusso-polonaise à l'automne 2021. C'est-à-dire que la réaction polonaise à l'instrumentalisation de ces flux migratoires, je pense qu'elle a été dangereusement, et je dis dangereusement, contre-productive.
Parce que déclarer que la frontière sera fermée coûte que coûte et mobiliser une force de réserve et des moyens militaires pour faire tenir la frontière, effectivement, coûte que coûte, place, alors non seulement réduit les options de réponse peut-être plus pertinentes, mais surtout fait peser un risque moral et un danger moral, c'est-à-dire qu'on n'est pas passé loin. On n'est pas passé loin d'un drame humain avec potentiellement un soldat polonais qui aurait pu tirer sur une famille démunie à la frontière et les images auraient fait le tour du monde. Donc c'est pour ça que cette réaction a été, je pense, dangereusement contre-productive parce qu'elle n'a pas pu éviter de se voir limitée dans sa marge de manœuvre, elle n'a pas pu éviter cette contradiction morale ou alors de justesse. Donc voilà, cette double implication de réduction de la marge de manœuvre et de la contradiction morale est très importante à prendre en compte pour comprendre l'essence d'une campagne hybride, d'une stratégie hybride. Alors maintenant que j'ai cerné plus précisément les traits du concept et insisté sur ces deux aspects de marge de manœuvre et de contradiction morale, j'aimerais me demander, penser tout haut, s'il s'agit plutôt de dissuader ce genre de menaces ou s'il ne serait pas préférable d'y être avant tout résilient. Parce que la dichotomie entre dissuasion et résilience est une distinction assez forte que j'observe, moi, à mon niveau, dans les discussions internationales sur que faire face à ces campagnes hybrides, que faire face à ces stratégies hybrides. Donc je vais brièvement expliciter ce que les deux veulent dire et en apporter une critique constructive pour en souligner les limites respectives. Donc que tend à vouloir dire dissuader les menaces hybrides? Je pense qu'il y a deux primats essentiels pour cerner cette notion. Alors on dissuade tout d'abord en imposant des coûts, c'est-à-dire sanctions, punitions, pour imposer des coûts à la fois économiques, politiques, mais aussi et surtout réputationnels. Ensuite, deuxième point, on ne dissuade pas une abstraction, on ne dissuade pas une menace, on ne dissuade pas une campagne, on dissuade un acteur. Donc, c'est-à-dire que pour dissuader une campagne hybride, il faut désigner un acteur, un responsable, attribuer une responsabilité. Moi, je pense que la limite principale de cette doctrine de dissuasion, ou de ces éléments de doctrine de dissuasion, parce qu'elle n'est pas une doctrine formée, évidemment, mais c'est plus une constellation de réflexion. Cette doctrine de dissuasion opposée aux menaces hybrides repose sur une conception qui est criminologique ou pénale de la dissuasion. C'est-à-dire que pour empêcher la commission d'un crime, il faut que le criminel en puissance comprenne que les bénéfices de son crime ne vont pas outrepasser les coûts ou ce qui lui en coûtera. Donc c'est pour ça que je parle de dissuasion à la fois avant tout criminologique. Donc en plus, il faut aussi que le criminel ait la certitude de se faire prendre. Donc quand on a la nécessité d'une figure du criminel, la tentation d'imposer des coûts par la punition et la certitude de se faire prendre, on a les trois éléments essentiels de comment la dissuasion face aux menaces hybrides tente à être pensée dans le contexte européen et en contexte international. Mais je pense que ce type de dissuasion pensée dans ces termes se heurte au problème fondamental de l'acteur. L'acteur sera géopolitique. On est dans un contexte de contestation, de compétition, et pas dans un système juridique national avec un juge, un policier qui est respecté, une loi que tout le monde respecte. Il n'en est absolument pas le cas dans le domaine international. Donc l'acteur géopolitique peut résister à la punition. Il a une tolérance assez large, une marge de manœuvre assez grande pour ne pas se voir, pour résister à la punition et encaisser les chocs. De plus, on le voit typiquement avec ce qui se passe en Ukraine, l'acteur géopolitique n'en aura que faire de se voir attribuer la responsabilité de coupable. La condamnation morale glissera sur son pelage de façon à ne pas atteindre son surmoi, on va dire. Donc il a vraiment la marge de soutenir le choc. Aussi, si l'acteur n'est pas géopolitique, mais si on a un acteur non étatique ou un groupe terroriste ou un groupe de hackers ou un groupe encore plus individuel, ce genre de groupe non étatique peut même se voir flatté par une attribution et par une désignation d'un statut de responsable ou de coupable. Ça peut être extrêmement flatteur, si on est un petit groupe, de se voir attribuer une disruption majeure par un État ou par un acteur respecté dans l'arène internationale. Donc voilà, deux choses. La nécessité pour dissuader de désigner un ennemi fait peser non seulement un fardeau de la preuve, parce que si on attribue, il faudra aussi dire pourquoi. Et les États ont une réticence à dire pourquoi, surtout dans un contexte d'ambigu. Mais aussi, ça fait poser un fardeau de la réponse.
C'est-à-dire que si on attribue, si on désigne un responsable, il faudra bien agir dessus, il faudra bien contrer ces menaces, il faudra bien faire voir ce qu'on a l'intention de mettre derrière au risque de perdre la crédibilité. Aussi, une menace, une limite finale aussi que je perçois dans cette constellation de dissuasion des menaces hybrides, c'est que cette doctrine de dissuasion ne pense pas sa propre rupture. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand la dissuasion est rompue, quand une campagne hybride est en train de se passer, c'est-à-dire que les éléments de cette doctrine de dissuasion reposent sur un spectre de sanctions, mais sans changement de nature une fois qu'une campagne hybride serait lancée. Voilà, j'en ai fini de la dissuasion. Maintenant, je vais essayer de présenter quelques idées forces sur une notion qui me paraît plus pertinente pour contrer les campagnes hybrides, c'est-à-dire la notion de résilience. Et c'est un petit peu l'autre aspect de cette dichotomie sur laquelle repose le débat d'idées international. Mais tout d'abord, la résilience n'est-elle pas une dissuasion par déni ? Alors, je pense que non, parce que la surface de déni, pour faire une dissuasion par déni, cette surface est trop large pour être crédible. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune, il y a encore, il ne peut pas vraiment y avoir d'assurance que l'acteur derrière une campagne hybride échouera dans l'imposition d'effets majeurs. Voilà, donc la résilience, je ne pense pas qu'elle soit une dissuasion par déni, donc je tenais à évacuer cette question d'entrée de jeu avant de parler de résilience encore plus. Donc à la différence de la dissuasion, ce que j'aime bien dans la résilience, c'est que la résilience marche en soi. C'est-à-dire qu'elle est une posture qui n'est pas dialectique, elle n'a pas besoin d'un ennemi ou d'un élément déclencheur pour pouvoir être mise en œuvre. La définition que la Commission européenne tente à adopter sur la résilience, les définitions, je les ai groupées un petit peu, elle insiste sur une capacité d'une société à opérer une transition face aux chocs internes ou externes qui soit à la fois juste, soutenable et à la fois démocratique. Et donc, toute cette idée de résilience, c'est avant tout un travail préparatoire qui se base sur une prise de conscience de nos propres risques, de nos propres vulnérabilités, de nos propres faiblesses. Alors maintenant que j'ai dit que la résilience marche en elle-même et pour elle-même, j'aimerais quand même en souligner une limite, parce qu'elle est probablement assez lente et elle aura probablement besoin d'un pilotage pour être vraiment mise en œuvre de façon plus stratégique. Parce qu'une résilience doit faire face aux campagnes hybrides. Le type de résilience qui doit faire face aux campagnes hybrides est différente du type de résilience face aux risques accidentels ou aux crises accidentelles ou aux catastrophes naturelles ou humaines. C'est-à-dire qu'une résilience pensée dans un contexte de campagne hybride doit être plus dynamique. Donc une vraie politique de résilience aux campagnes hybrides, évidemment, c'est un agenda très difficile et exigeant qui n'a pas encore vu le jour. La Commission européenne, en 2020, parlait dans sa stratégie pour une union de la sécurité de généraliser les considérations hybrides dans l'élaboration de ces politiques. C'est-à-dire, pour traduire, pour mettre en œuvre une résilience plus pilotée et stratégique, il faut une meilleure appréciation de la situation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment élargir sa focale d'analyse pour voir comment les disruptions peuvent agir en cascade entre différents domaines des sociétés. Mais une résilience plus pilotée et plus stratégique requiert aussi une créativité et une curiosité dans l'identification des leviers de réponse aux campagnes hybrides. Comment à la fois ne pas se faire piéger et limiter nos options, et aussi ne pas se faire prendre dans une contradiction éthique ou morale, requiert ce genre de créativité stratégique. Et j'aimerais, pour essayer de proposer quelques pistes de solutions, souligner notre travail au Centre d'excellence menaces hybrides en très étroite collaboration avec la Commission européenne et notamment son centre de recherche conjoint, Joint Research Center, qui n'est pas extrêmement connu, mais qui est un acteur très important dans l'écosystème de la Commission européenne. C'est-à-dire que nous sommes en train d'explorer les moyens de faire un saut qualitatif dans l'appréciation de la situation, c'est-à-dire comment mettre à plat et représenter les effets des campagnes hybrides de façon extrêmement dynamique et de façon aussi à améliorer nos capacités d'anticipation pour avoir une réelle fusion des observations. Et enfin, deuxième aspect de ce que nous sommes en train de faire, de mieux mettre en œuvre et de repérer les outils, les instruments, les mécanismes qui pourraient permettre de limiter les effets des campagnes hybrides encore de façon assez créative. Vous allez en entendre parler, je pense, au milieu de ce mois. Nous avons publié un rapport phare sur la résilience face aux menaces hybrides, dans lequel nous proposons un écosystème, donc un outil pratique pour penser à la fois des disruptions et pour penser un peu plus loin, un peu plus de façon créative, quels instruments on pourrait mettre en place face à ces menaces hybrides ou ces campagnes hybrides. Donc voilà, pour conclure rapidement, le concept de menace hybride ou de campagne hybride et les implications de l'hybridité sont une opportunité de faire advenir et nécessite de faire advenir un différent type de culture du risque et de culture du pilotage de la résilience
avec encore les maîtres mots de créativité et de curiosité, pour reprendre la métaphore sur les silos, pour rendre les silos agiles, créatifs entre eux et communicants entre eux, parce que c'est vraiment ça le défi central, non pas de nier les silos, parce qu'effectivement, c'est une affaire de nature démocratique, de séparation des pouvoirs et de l'état de droit, mais comment faire en sorte que ces silos soient plus agiles, au moins autant que les acteurs autoritaires extrêmement personnels. Voilà, je m'arrête ici. Merci de votre attention. Merci Maxime. Et je vais tout de suite donner la parole à Dimitri qui va parler de l'autre côté. En nous parlant de l'hybridité au sein de la pensée stratégique russe avant qu'on remette. Est-ce qu'Internet est revenu dans l'école militaire ? Il y a une coupure généralisée, paraît-il. Bien tombé. Je vais remercier d'abord l'IFRI de l'IRSEM, pardon. On est tellement en masse aujourd'hui, l'IRSEM, de m'avoir invité à ce colloque. Et puis le ministère des Armées en général, puisque c'est grâce à lui que j'ai pu faire ma thèse, grâce au financement doctoral de la DGRIS et de l'IRSEM. Donc je suis très honoré de faire cette présentation aujourd'hui devant vous. Et donc je vais vous parler de l'hybridité dans la pensée stratégique russe, qui était le thème de ma thèse. Il faudrait d'abord que j'explique, mais brièvement, puisque beaucoup de choses ont été dites sur l'hybridité, que au fond, ce concept, évidemment, a des racines américaines, des interprétations très diverses. Et aujourd'hui, et c'est la raison de sa présence dans le titre, entre guillemets, dans le titre de ma présentation, aujourd'hui, il s'est imposé en Occident pour, au fond, décrire des actions russes sous le seuil de la lutte armée interétatique. Et en fin d'année dernière, le chef d'état-major des armées françaises, Thierry Burquart, et la ministre des armées, Florence Parly, ont à ce titre insisté sur la nécessité de gagner la guerre avant la guerre et sur la capacité de l'arme informationnelle à gagner sans combattre, en s'appuyant partiellement d'ailleurs sur les récentes expériences de la Russie dans ce domaine. Et en effet, la Russie a pris une certaine avance en la matière. L'application des stratégies indirectes russes dans le monde qui combinent des moyens non militaires et militaires indirects est bien étudiée par la recherche, mais l'analyse de leurs racines conceptuelles et des stratèges qui les produisent fait encore défaut. Et c'était au passage l'enjeu de ma thèse. Alors, des expressions et notions prétendument utilisées par les théoriciens militaires russes pour décrire les actions indirectes russes ont émergé en Occident. Guerre hybride, guerre de nouvelle génération, doctrine Gerasimov, entre autres. Toutefois, leur légitimité est non seulement très contestable, mais elles ne sont en outre que la face émergée de l'iceberg dans la pensée stratégique russe, car il s'est produit un changement de paradigme fondamental sur ces 30 dernières années, et ce changement, c'est l'élargissement du concept de guerre. En 2021 encore, les plus hautes élites de la recherche militaire russe rappelaient la centralité de la stratégie indirecte pour atteindre les objectifs politiques de l'État. Alors pourquoi les expressions en vogue en Occident pour décrire les stratégies indirectes russes sont-elles contestables ? Mais d'abord parce que les penseurs militaires russes ont théorisé le contournement de la lutte armée interétatique depuis maintenant une trentaine d'années et que le concept de guerre hybride n'est réellement apparu dans la littérature militaire russe qu'en 2014-2015 et puis dans des conditions très spécifiques et très caractéristiques. Certes, les concepts de guerre de nouvelle génération et de guerre non traditionnelle, entre autres, ont émergé dans les années 90 dans la pensée stratégique russe, mais y voir des conceptions figées, arrêtées, serait une erreur, puisque les théoriciens militaires russes ont au fond tout associé à ces concepts. Et c'est d'ailleurs une leçon importante de l'étude de la pensée militaire russe post-soviétique. Cette pensée, elle est flexible. Elle est en constante évolution et surtout, elle demeure très perméable aux apports extérieurs. La théorisation du contournement de la lutte armée est une qualification éthique, puisque les penseurs militaires russes n'ont pas arrêté de dénomination précise pour décrire ces actions indirectes que Moscou a conduites dans le monde. Et pour cause, ils ont préféré réviser le concept de guerre et réinterpréter son essence.
pour que des confrontations indirectes et même non militaires puissent être considérées au fond comme de véritables guerres. Quant à la prétendue doctrine Gerasimov, soit les experts ont extrapolé les idées présentées par le chef de l'état-major général russe, soit ils les ont dépréciées. Et très rapidement, pour enchaîner ensuite, d'abord parce que, à mon avis, l'analyse a souffert d'une incompréhension de la nature de la source. Il ne s'agissait pas d'un article, comme beaucoup le croient encore aujourd'hui, mais d'un discours annuel et traditionnel du chef de l'état-major général à l'Académie des sciences militaires, fondée et présidée par le général d'armée Mahmoud Garayev. Donc ce n'est pas un texte exceptionnellement publié par Gerasimov pour faire connaître au public politico-militaire sa nouvelle vision de la guerre. Ensuite, les idées exprimées sur l'importance des moyens non militaires dans ce fameux discours de 2013 de Gerasimov, eh bien, ces idées étaient très courantes dans la littérature militaire russe, en réalité, depuis le début des années 90, y compris chez des chefs d'état-major et même chez les ministres de la Défense russe. En revanche, certains passages de ce discours ont été influencés par la littérature militaire russe que j'ai appelée révisionniste, je détaillerai ça ensuite, et qui révèle un changement progressif de paradigme qui rompt avec la pensée stratégique soviétique et russe post-soviétique. Alors, entre 1993 et 2016, et ça s'est poursuivi ensuite, la théorie militaire russe a pensé le contournement de la lutte armée à travers divers concepts et notions. Les plus pérennes et officielles, qu'on pourrait dire de première génération, sont la guerre informationnelle et une myriade de concepts qui lui sont affiliés, les stratégies indirectes et asymétriques, les opérations spéciales, dont l'utilisation des forces armées irrégulières, et la dissuasion stratégique. Alors, de façon différenciée mais cohérente et progressive, les dictionnaires et encyclopédies militaires russes, les officiels civils et militaires et les documents de doctrine stratégique ont reflété cette évolution intellectuelle. D'autres concepts, moins officialisés, mais qui seront probablement amenés à l'être davantage, sont apparus à partir du milieu des années 2000 et ont commencé à s'imposer dans la littérature réellement à partir du début des années 2010. Il s'agit de la révolution de couleurs, de la théorie du chaos contrôlé, de la guerre hybride et du soft power. Mais l'élaboration de ces concepts est en réalité alimentée, c'est ce que je disais dans mon exorde, depuis 1993 par un débat épistémologique sur l'essence de la guerre entre des théoriciens révisionnistes qui souhaitent en élargir l'interprétation, notamment de l'essence en fait, de la guerre, et d'autres traditionnalistes qui désirent maintenir un statu quo. Alors, ce débat a beaucoup contribué, avec le soutien grandissant de l'état-major général et de Gerasimov lui-même, à la modification de la définition de l'essence de la guerre dans l'armée russe et à l'élargissement de son interprétation aux moyens non militaires et militaires indirects. Mais cette théorisation du contournement de la lutte armée doit aussi être comprise dans le cadre plus large de la culture stratégique russe et des cadres cognitifs des théoriciens militaires russes. Il y a d'abord l'héritage soviétique avec la permanence des références à l'idéologie marxiste-léniniste et le souvenir de la guerre froide. Les références à l'ancienne idéologie sont nombreuses et constantes, ce qui n'a rien de très surprenant, rien d'illogique, compte tenu des générations auxquelles appartiennent les théoriciens militaires russes post-soviétiques. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est leur remise en cause, la remise en cause de cet héritage idéologique dans le cadre de la théorisation du contournement de la lutte armée. Car la science militaire soviétique et l'État soviétique en général est accusée, au fond, d'avoir ignoré par dogmatisme, par idéologie, par esprit de département, tout ce qui ne se rapportait pas à la lutte armée et à sa préparation. Cela, pour eux, a conduit à la défaite de l'Union soviétique dans la guerre froide, une guerre indirecte, savamment préparée par Washington, croient les théoriciens militaires russes, une guerre qui sera, au fond, l'expérience fondatrice de la théorisation du contournement de la lutte armée. Si la Seconde Guerre mondiale a été une référence centrale pour l'absolutisation de la lutte armée dans la science militaire soviétique, on peut dire que la guerre froide est devenue une référence centrale pour la théorisation du contournement de la lutte armée dans la théorie militaire russe post-soviétique. Et la théorisation du contournement de la lutte armée est également une émanation de la perception qu'ont les élites politico-militaires de leur environnement stratégique. Cette perception, radicalement hostile, alimentée par des croyances spécifiques et un mode de pensée bien particulier, que je détaillerai peut-être si certains sont intéressés, s'organise autour d'une dialectique du rejet et de l'inspiration à l'égard de l'Occident. Si cette perception traduit un profond rejet en accréditant l'idée d'une guerre indirecte et non militaire menée contre la Russie, les théoriciens militaires russes observent et s'inspirent dans le même temps et de façon biaisée des stratégies et doctrines occidentales qui incarneraient cette guerre.
Il est ainsi frappant que la majorité de ces concepts de contournement de la lutte armée pensés, dans lesquels pensés par les théoriciens militaires russes soient inspirés de la terminologie occidentale, ou de ce que les théoriciens militaires russes ont considéré comme tel, d'ailleurs. Il est de ce point de vue intéressant aussi de voir que les théoriciens militaires russes ont conceptualisé ce contournement en étant convaincus d'être à la traîne de l'Occident en la matière, en matière de guerre indirecte, et croyant rattraper leur retard, ils ont en réalité bien plus innové qu'ils ne le pensent. C'est une hétérotélie, et leurs actions sont parfois considérées en Occident comme des modèles en la matière. Il faut enfin prendre en compte le fait que la pensée stratégique russe souffre d'un manque de rigueur scientifique, même analytique, patent, qui alimente sa perception du monde et de la guerre, avec de faux documents, la falsification, la mésinterprétation de discours et des théories du complot articulées. Alors, cette perception hostile du monde, largement déconnectée de la réalité, a eu un effet assez paradoxal sur la théorie, sur la théorisation du contournement de la lutte armée. D'un côté, elle a grandement nourri la théorisation d'une stratégie indirecte depuis 30 ans, en se fondant partiellement sur une analyse rationnelle de la guerre et des rapports de force, assez compatible avec les forces et les faiblesses de la Russie, avec l'architecture des relations internationales à l'époque de la mondialisation et avec la présence de forces nucléaires en Occident. Et de l'autre côté, parallèlement à cette analyse partiellement rationnelle, les perceptions et les croyances qui fondent cette théorisation du contournement sont si fantasmatiques et anxiogènes qu'elles peuvent éloigner l'acteur qui les porte d'une évaluation du rapport de force dans sa globalité et dans le temps long. Donc les fondements de cette théorisation portent en eux les germes de sa propre négation. La théorie militaire russe post-soviétique a donné une priorité croissante à tout le spectre des actions indirectes et élargit sa définition de la guerre. La guerre n'est plus seulement comprise comme une lutte armée, mais comme une confrontation où les moyens non militaires et militaires indirects peuvent atteindre des objectifs décisifs. Par conséquent, la Russie tend désormais à analyser des confrontations indirectes et non militaires comme de véritables guerres. Flexible et innovante, la pensée stratégique russe reste dans le même temps marquée par des obsessions qui ne cesseront pas d'influer sur sa production intellectuelle, institutionnelle et opérationnelle, et ce, au risque d'élaborer des plans, des structures, des actions éloignées, au fond, des capacités de la Russie et des réalités stratégiques. Et il semble que la décision de Vladimir Poutine d'envahir ouvertement l'Ukraine le 24 février 2022 en ait fait une démonstration édifiante. Alors, à l'issue de cet exposé, on pourrait penser que cette décision est une rupture dans la pensée stratégique russe. Il s'agirait plutôt d'une option extrême, puisque la théorisation du contournement de la lutte armée n'a pas d'emblée exclu celle-ci, comme en témoignent les travaux innovants et fondateurs du général Vladimir Slipchenko, qui ont été repris et retravaillés ensuite. Cette théorisation a simplement considéré qu'il fallait privilégier d'autres moyens d'atteindre les objectifs politiques. Cette théorisation du contournement de la lutte armée, c'est la fin, a même partiellement influencé la théorisation de la lutte armée moderne, dans la mesure où les actions de combat ont pu être analysées comme le point final d'une période initiale de la guerre faite d'actions indirectes. Et on a donc probablement assisté à une volonté d'intégration des éléments indirects dans le contexte de la lutte armée russe en Ukraine, mais on a aussi observé que cette coordination avait été ratée et même, au fond, très contre-productive, alors même que l'aspect indirect de cette guerre, comme la subversion et la corruption de l'État ukrainien, censé tomber comme un fruit mûr, devait probablement être décisif dans les plans initiaux. Cette erreur de calcul est largement due au phénomène observable dans la littérature militaire russe, une perception bien particulière du monde, aveuglante, un mode de pensée déterministe et dogmatique, ainsi qu'un manque de rigueur analytique et scientifique, qui concerne aussi une grande partie des plus hautes élites dirigeantes politiques du pays. Les coûts politiques, militaires et économiques de cette guerre en Ukraine, ainsi que l'impression que Washington et ses alliés ont tendu un piège à Moscou en l'entraînant dans une guerre par procuration, ne manqueront probablement pas de justifier aux yeux d'une bonne partie des théoriciens militaires russes le bien fondé du contournement de la lutte armée interétatique. Et dans le même temps, et pour les mêmes raisons, ils ne chercheront probablement pas à examiner le rôle joué par le tropisme du contournement de la lutte armée dans les échecs militaires russes en Ukraine. Et comment ce tropisme a pu, comme le craignaient les généraux Tchouchkevitch et Krouglov en 2010, je cite, « désapprendre à se battre et à gagner ». Merci de votre attention. Merci Dimitri. Héloïse, je vous laisse la parole pour parler de la même chose, mais en Iran. Merci. Thank you.
Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci beaucoup à Maxime et puis à l'IRSEM de m'avoir invité pour cette table ronde. Et puis, j'espère que vous avez encore assez d'énergie pour suivre ma présentation avant la pause café. Alors, on en a parlé dans l'introduction et puis dans les premières présentations. L'actualité en Ukraine occupe évidemment le devant de la scène internationale, mais pour autant, les autres puissances n'ont pas cessé leurs activités. Et on a même vu que l'Iran nous a offert la semaine dernière un très bel exemple de ce qu'on peut appeler une menace hybride ou une action hybride en interceptant deux navires grecs, deux pétroliers grecs dans le golfe Persique. Et Téhéran a justifié cette action en disant qu'il s'agissait de représailles à la saisie d'un tanker, cette fois iranien, par la Grèce en avril dernier. Donc de ce fait, avec ses régulières actions dans le golfe Persique ou en mer Rouge, mais aussi son réseau de proxy au Moyen-Orient ou ses compétences en cyberattaque, l'Iran est souvent considéré comme un très bon exemple d'État mettant en œuvre des stratégies hybrides, donc qui opèrent en zone grise dans une démarche asymétrique par rapport aux grandes puissances occidentales. Et donc, aux côtés de la Russie dont on vient de parler et de la Chine, le cas iranien est par exemple inclus et étudié dans le groupe de travail sur l'hybridité du SGDSN. Et puis, de nombreuses études académiques sont disponibles sur les moyens hybrides déployés par l'Iran au Moyen-Orient. Cependant, il paraît aussi intéressant de s'intéresser plus spécifiquement sur la production de la réflexion stratégique sur l'hybridité en Iran, afin d'envisager déjà le point de vue iranien sur la question, ce qui est évidemment essentiel pour agir ensuite sur le champ des perceptions si on veut éventuellement contrer la stratégie iranienne en la matière. Et donc, dans un premier temps, je vais présenter les acteurs iraniens producteurs de réflexion stratégique. Puis je m'intéresserai à la place de l'hybridité dans cette réflexion avant de conclure par quelques exemples plus concrets de mise en œuvre de stratégies dites hybrides par l'Iran. Alors, qui produit la pensée stratégique en Iran ? Déjà, l'appareil sécuritaire et stratégique iranien, il est lui-même un exemple d'hybridité dans sa construction et dans sa nature. Vous le savez sûrement déjà, coexistent en effet deux appareils sécuritaires, donc une armée régulière, l'Artesh, qui se concentre sur la défense du territoire iranien, et puis un appareil non conventionnel, donc les gardiens de la révolution, les Pasdaran en persan, qui a comme principale mission la défense du régime et non du territoire, mais également l'exportation de l'idéologie iranienne à l'étranger. Ces deux systèmes ont chacun leur propre force terrestre, leur propre force aérienne, maritime, leur propre service de renseignement, même si certaines prérogatives, notamment le programme de missiles balistiques, soit la chasse gardée des Pasdaran. Et de ce fait, la production de la réflexion stratégique, elle est également très fragmentée à l'image de cet appareil sécuritaire. Et on dénombre pas moins d'une dizaine d'instances en Iran susceptibles d'avoir une influence sur la stratégie en matière de défense et de sécurité. Donc, parmi lesquels, évidemment, le bureau du guide suprême, donc Ali Khamenei, le Conseil suprême de sécurité nationale, le pouvoir exécutif, donc c'est-à-dire le président, ses ministres, ou encore l'Assemblée des experts. À cela s'ajoute un écosystème assez riche de think tanks et d'universités, donc comme le Strategic Council on Foreign Relations, le Center for Strategic Studies, le Center for Strategic Research, ou encore la Supreme National Defense University, qui publient régulièrement des études, voire des journaux trimestriels, en persan principalement, mais aussi en anglais, dans une démarche d'influence et de partage de la vision iranienne sur ces questions. Cependant, cet écosystème stratégique, il ne parvient pas à échapper à une certaine sclérose de la pensée stratégique iranienne, avec assez peu de renouvellements doctrinaux depuis la révolution islamique de 1979. Alors, pourquoi une telle sclérose ? Déjà, il y a une culture très importante du secret et une certaine paranoïa en Iran qui peuvent limiter le partage et la production dynamique de réflexion stratégique. Il y a aussi une certaine longévité des gouvernements et des dirigeants qui peuvent donc freiner en fait le renouvellement de la pensée. Et le vent d'ouverture qui avait été espéré avec l'arrivée au pouvoir d'Hassan Rouhani en 2013, et qui était d'ailleurs lui-même un ancien directeur de think tank, l'ancien directeur du Center for Strategic Research, et bien ce vent d'ouverture, il semble quand même avoir pris fin en 2021 avec l'arrivée au pouvoir d'Ebrahim Raisi. Mais malgré cette certaine sclérose, certaine lenteur dans la progression de la pensée stratégique iranienne, on peut quand même observer dans les journaux la place de l'hybridité, et donc ça va être le sujet de ma seconde partie.
Donc si le terme « hybrid warfare » apparaît tel quel en anglais dans certaines publications académiques, l'écosystème persanophone, les médias ou encore les officiels iraniens, ils préfèrent le terme de « guerre combinée ». Et ça reflète bien en fait la conception de guerre hybride selon l'Iran, c'est-à-dire un véritable conflit comme continuum sans opposition claire entre moyens conventionnels et non conventionnels. Alors, cette stratégie, elle remonte à la fin de la guerre Iran-Irak, donc qui fut de 1980 à 1988, la première et la dernière guerre interétatique menée par l'Iran, avec en fait un bilan extrêmement lourd. Et l'Iran, depuis, cherche vraiment à se protéger contre tout conflit conventionnel et, comme on le disait, cherche à contourner le seuil de l'agression pour éviter donc de subir une telle défaite. Et donc, de ce fait, l'Iran reconnaît adopter un mode de guerre combinée pour atteindre ses objectifs. La dimension très importante de la guerre combinée dans la production stratégique iranienne, elle commence à apparaître à partir de juillet 2006. Alors, juillet 2006, c'est la guerre entre le Liban et Israël, donc un conflit extrêmement rapide et qui est souvent considéré, dans les publications iraniennes en tout cas, comme l'une des premières guerres hybrides et qui est en fait même cité en exemple dans les textes doctrinaux et académiques iraniens. Et on peut noter que c'est un an après la théorisation par Hoffman de la guerre hybride dont Amélie parlait. Mais donc le terme lui-même vraiment de guerre combinée, il commence à vraiment se diffuser dans les études académiques à partir de 2015-2016, donc possiblement grâce à une ouverture stratégique après l'arrivée au pouvoir d'Hassan Rouhani, mais aussi parce qu'en 2015, ça fait plusieurs années que l'Iran est investi en Syrie en mettant en œuvre des modes d'action hybrides. Donc il commence à y avoir une culture de rétex en 2016 sur la posture iranienne en Syrie. Donc, à partir de 2016, vous avez plusieurs journaux académiques qui publient des études vraiment très capacitaires, par exemple sur l'adaptation des forces aériennes dans un contexte de guerre combinée. Mais encore à cette époque, l'hybridité reste perçue comme défensive contre un ennemi, donc un ennemi de l'Iran, qui pratique ces guerres hybrides. Donc là aussi, on retrouve la dimension de plutôt qualifier en fait la stratégie de l'adversaire en expliquant qu'il s'agit d'une stratégie hybride. Et effectivement, dans la plupart des publications académiques de l'époque et jusqu'à environ 2019-2020, l'Iran explique que c'est surtout ses ennemis, donc au premier rang desquels les États-Unis, qui conduisent une guerre hybride contre lui. Et l'Iran explique que c'est par exemple les sanctions américaines sur l'économie iranienne qui sont un parfait exemple de guerre hybride, mais aussi les cyberattaques occidentales, donc on se souvient du virus israélien Stuxnet en 2007, ou encore ce que les penseurs iraniens appellent l'iranophobie, qui serait selon eux véhiculée dans les médias occidentaux. Mais là, plus récemment, donc à partir de 2019-2020, le régime semble enfin avoir évolué vers une guerre combinée offensive. Et donc en 2021, se sont succédées plusieurs déclarations d'officiels iraniens sur le sujet, donc notamment un chef d'état-major adjoint des armées qui a déclaré que la guerre combinée est notre stratégie, nous devons être forts et offensifs dans tous les domaines et milieux de cette guerre. Donc les domaines étant variés, ça peut être la politique étrangère, la politique interne, la diplomatie, l'économie, la culture et évidemment les affaires militaires, avec une emphase assez forte sur la guerre cognitive, la guerre psychologique et les médias. Et vraiment, cette emphase médiatique, elle a été renforcée par le guide suprême lui-même, qui a rappelé l'importance pour l'Iran de disposer d'un écosystème médiatique efficace et offensif afin de diffuser l'idéologie iranienne, et ça surtout face à des ennemis qui sont très présents sur les ondes, donc, au premier rang desquels là, l'Arabie saoudite et Israël. C'était les ennemis dénommés par le guide dans son discours. Par contre, on note que le nucléaire est totalement absent de cette pensée stratégique sur l'hybridité, alors que même que certaines menaces d'enrichissement de l'uranium à plus de 85%, donc atteindre une qualité militaire pour l'uranium, ou même le harcèlement d'inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, pourraient en soi le relever de menaces hybrides. Mais en réalité, il est important de se rappeler que, selon une fatwa, alors certes jamais rendue publique, de l'ayatollah Khamenei, l'arme nucléaire est considérée comme illicite en Iran, et le programme nucléaire iranien est officiellement strictement civil, pour le moment. Et donc, de ce fait, l'Iran considère, et ses penseurs stratégiques considèrent, que le spectre des menaces est largement suffisant pour que l'Iran, grâce
à ces moyens conventionnels et non conventionnels, donc grâce à ce continuum entre les deux, maintiennent ce que les penseurs iraniens appellent une dissuasion conventionnelle. Mais alors ensuite, comment cette guerre combinée est-elle menée par l'Iran ? Donc, comme je l'expliquais en début de présentation, déjà, l'Iran dispose d'un appareil de sécuritaire hybride. Alors, c'est évidemment le cas de plusieurs puissances. On pense à la France qui utilise des forces spéciales, et je crois que ce sera le cas, ça sera l'objet d'une présentation dans le second panel. Mais l'Iran se caractérise surtout par un emploi combiné sur le même théâtre, et parfois avec le même objectif, des forces régulières et des forces régulières. Régulières et irrégulières. Donc ça a notamment été le cas en Syrie, où l'Artesh a été envoyé aux côtés des Pasdaran et aux côtés de la force Quds. Et en fait, toutes les entités de l'État iranien sont mises à contribution pour produire de l'hybridité et puis répandre l'idéologie iranienne à l'étranger. Mais le meilleur exemple d'action hybride de l'Iran, ça reste la création et l'entretien d'un réseau de proxy dans tout le Moyen-Orient chiite, au premier rang desquels, évidemment, le Hezbollah libanais, qui permet à l'Iran de projeter sa puissance afin de se rapprocher de l'ennemi israélien. Les autres relais d'influence dans la région, donc notamment certaines milices chiites irakiennes de la mobilisation populaire, servent le même but, avec un rôle primaire de corridor logistique entre l'Iran et le Liban, en passant par la Syrie. Et puis, ces milices, en fait, elles poursuivent sur le théâtre local, donc elles connaissent évidemment très bien, elles poursuivent sur place la politique iranienne de diminution de l'influence américaine dans la zone, en conduisant notamment des attaques contre les forces américaines présentes en Irak. Et puis, ces milices, enfin, elles servent aussi d'écran de fumée à Téhéran, et elles servent à conserver une certaine ambiguïté qui est, comme on l'a dit, extrêmement importante dans les menaces hybrides. Et donc Téhéran, par exemple, n'hésite pas à se désolidariser de ces milices radicales lorsqu'elles franchissent des lignes rouges qui ont été déterminées, par exemple, par les États-Unis. Et ça a notamment été le cas en Irak, en octobre 2020, à la suite d'une série d'attaques commises par des milices radicales. Les États-Unis ont prévenu que peut-être ils allaient conduire des frappes en Iran et qu'ils allaient potentiellement fermer leur ambassade américaine à Bagdad. Et dans ce cas-là, l'Iran a en fait été obligé publiquement de dénoncer l'action de ces milices, alors qu'en réalité, on sait très bien qu'ils conservent des liens très forts entre les milices radicales et la force Quds. Donc c'est un outil supplémentaire pour entretenir de l'ambiguïté. Puis, je le disais en introduction, les actions de guerre combinées de l'Iran, elles ne s'arrêtent pas là. Ça peut être des saisies de bateaux et des attaques de bateaux en mer Rouge et dans le golfe Persique, ou encore une malheureuse diplomatie des otages. Et on pense évidemment à Farida Al-Elka, qui est retenue depuis 3 ans en Iran. Donc, en conclusion, les bases de la guerre hybride ou de guerre combinée, pour reprendre l'expression persane, elles sont présentes dans le logiciel de réflexion stratégique iranien depuis la fin de la guerre contre l'Irak, avec une volonté farouche d'éviter un nouveau carnage et donc d'échapper à la guerre ouverte. Cependant, la maturation des outils et de la réflexion a pris du temps, et donc c'est surtout depuis une dizaine d'années, donc en soi le début de la projection en Syrie, qu'on voit le concept se répandre et être analysé dans les multiples instances de production de réflexion stratégique en Iran. Donc ces concepts, on l'a dit, vont être ensuite traduits par des modes d'action qu'on connaît bien, donc notamment les proxys au Moyen-Orient, des hyperattaques ou des attaques contre des navires civils dans le golfe Persique. Et puis ces modes d'action, ils sont justifiés en Iran par la nécessité de répondre à la guerre hybride menée par l'Occident contre l'Iran, États-Unis en tête. Et donc ces modes d'action, ils sont appelés à se diversifier en suivant justement la propre diversification qui est effectuée par les ennemis de l'Iran. Donc on peut s'attendre à une densification notamment prévue de l'influence médiatique, de l'action dans le champ cognitif et dans le cyberespace où l'Iran investit massivement. Merci pour votre attention. Merci Héloïse. Alors on va passer aux questions. Je voudrais juste dire aux personnes qui sont par Zoom que d'une part on est désolé pour cette coupure qui est une coupure généralisée de l'école militaire, je pense qu'on vous a prévenu, et merci aux camarades du soutien d'avoir tout fait pour rétablir la connexion. Donc désolé, vous avez dû rater je pense deux ou trois interventions, mais vous pouvez bien entendu poser des questions dans la section s'appelle, je ne sais plus comment, mais Q&A ou questions-réponses. Et je vous propose du coup je vais d'abord donner la parole à la salle glaner peut-être deux, trois questions. Monsieur,
pour commencer, et puis ensuite on... Bonjour, Didier Loras de l'agence France Presse. Merci pour ce petit concentré d'intelligence, ça fait un bien fou. Et ce n'est pas du tout ironique, donc il ne faut pas rire. J'ai 300 questions, je vais en garder juste deux, mais sur un seul théâtre, notamment sur la question de la guerre informationnelle au Sahel. Alors je me garderai bien de dire à qui je pose la question, parce que je pense que vous avez peut-être tous des moyens d'y répondre, peut-être sur un point de vue différent. Il ne vous aura pas échappé que je crois que c'est fin 2020 ou 2021, Facebook avait bloqué des faux comptes et russes et français au Sahel. La ministre des Armées, Florence Parly, avait évoqué des initiatives isolées de soldats. On n'est pas là pour rétablir la vérité, j'en doute un peu, mais voilà, pour moi, ça évoque deux questions. Faut-il renoncer à nos principes démocratiques pour répondre à un adversaire qui, par définition, ne les respecte pas? Et donc là, je m'appuie évidemment sur un certain nombre de choses qui ont été dites. Deuxième question sur ce même sujet, est-ce que là, on n'est pas justement arrivé au bout de la résilience pour être obligé de passer dans le domaine dissuasion, merci, excusez-moi. Donc est-ce qu'on n'est pas là dans un exemple où justement on arrive au bout de la résilience, on n'arrive plus à gérer et on est obligé d'agir différemment, donc pour répondre donc à la propagande russe, dit-on, pour gonfler, pousser un sentiment anticolonial français au Sahel. Voilà, je vous remercie, j'espère que j'ai été clair. On va prendre une autre question, juste pour préciser, nous aurons tout à l'heure le colonel Devine qui va parler justement des questions informationnelles, en particulier dans le cadre des opérations françaises, donc vous aurez aussi une autre approche. Peut-être. On m'a donné Nicolas, le micro. Je vous donne la parole, monsieur. Est-ce que ça va? Oui. Bonjour, Julia Grignon, je suis chercheuse en droit des conflits armés à l'IRSEM. Et ma question est liée au droit des conflits armés, mais elle est en deux volets. Il y a un volet très, très candide et un volet un peu plus technique. Alors, c'est un peu un grand écart. J'espère que vous pourrez donner des réponses. Le volet ultra candide, c'est de savoir à quoi ça vous sert, à vous, de réfléchir au concept de guerre hybride. J'ai entendu ce que vous avez dit, j'ai appris plein de choses. Mais dans votre champ, à vous, à quoi ça sert de s'interroger sur la définition? Qu'est-ce que vous en faites ensuite? Le volet ultra technique, c'est sur le droit des conflits armés, parce que vous avez parlé du droit. Merci d'avoir dit qu'il était ni tordu ni absent. Mais vous avez surtout parlé du droit de la Charte des Nations Unies et pas du droit des conflits armés, qui est le droit dans les conventions de Genève, les protocoles additionnels. Et justement, dans le droit humanitaire contemporain de 1949, on a abandonné le concept de guerre technique pour inclure le concept de conflit armé. Et justement, pour contrer des stratégies qui avaient consisté à dire qu'on n'entrait pas en guerre pour ne pas appliquer le droit international humanitaire. Et en vous entendant, je me demande si aujourd'hui, on devrait abaisser le seuil d'entrée dans les conflits armés en droit international humanitaire, et donc considérer qu'on devrait inclure, en tout cas dans l'interprétation, les guerres hybrides pour y appliquer, si c'est pertinent, le droit international humanitaire. Merci. Et une question pour le monsieur qui a levé la main depuis... Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, Alexis Koumetat. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un type d'acteur qui manque, ou en tout cas que je n'ai pas entendu dans vos concepts de guerre hybride, ce sont les entreprises, et en particulier dans nos sociétés démocratiques et libérales, dont une des caractéristiques est d'avoir des entreprises qui ont un grand niveau d'autonomie. Et donc, je vous avais entendu parler d'acteurs étatiques, beaucoup, mais pas de ces acteurs-là, alors qu'on peut être sous le seuil, au-dessus du seuil, pendant le seuil, enfin... Merci beaucoup pour les questions. Ah oui. Ah oui, de toute façon, il ne marche pas le micro, c'est ça? Oui. Si. Ah, ok. Alors, moi, j'ai des éléments sur plusieurs. Alors, d'abord, donc, sur la question sur la liberté d'expression, évidemment, non, il ne faut pas renoncer à nos principes démocratiques, à mon sens. Et surtout, en fait, c'est des restes, hein, donc il faudrait faire des recherches un peu plus poussées donc de la théorie politique. Mais en fait, quand on regarde la Constitution
de cette liberté d'expression qui est vraiment au cœur, en fait, de la démocratie libérale, parce qu'on dit souvent la démocratie libérale, c'est simplement un état de droit et des élections. En fait, il y a plein de systèmes qui ont des élections et qui ont des règles de droit et qui ne sont pas des démocraties. Donc la liberté d'expression, elle est souvent oubliée, elle est pourtant fondamentale. Cette liberté d'expression, elle ne veut pas dire que, justement, il y a un accès irrégulé à l'espace public. Et c'est, en fait, c'est possible de bloquer des comptes ou réglementer, en fait, ce qu'il est possible de dire dans l'espace public, tout en étant démocratique, à mon sens. Et là, je laisserai Maxime répondre, mais par exemple, quand on pense à la manière dont on a fermé RT en France... on l'a fait en respectant une procédure qui est définie et sans, je pense, renier notre caractère démocratique. Ce qui est peut-être plus complexe, c'est la manière dont il y a eu des procédures bâillons qui ont été menées par des acteurs justement pour réduire au silence, en fait, des chercheurs en utilisant des garanties du système judiciaire français. Je pense par exemple à Valérie Niquet, c'est un exemple qui est souvent cité, qui a été poursuivi, il me semble, par Huawei. Pour avoir justement dit que Huawei était apparenté à l'État chinois. Et en fait, quand vous avez ce genre de poursuite, vous ne pouvez pas continuer à travailler sur Huawei parce que tant qu'il n'y a pas de jugement, donc même si vous n'êtes pas condamné, vous êtes réduit au silence parce que il y a des phénomènes, enfin parce que si vous continuez à parler sur Huawei et à critiquer Huawei, ça peut être considéré comme un cas de diffamation et de... Voilà, j'ai plus le terme exact, mais une sorte d'obsession sur le sujet. Donc voilà, il me semble que, encore une fois, ces questions de limites, elles sont présentes et on a les outils pour y répondre sur la liberté d'expression. Sur le seuil, je vais pas monopoliser la parole, hein, donc j'essaye d'être rapide. Sur la question du DH, donc merci beaucoup pour cette question. Alors, donc moi, je ne suis pas juriste, mais il me semble que... en fait, dans la compréhension que j'ai de l'application du DIH, du droit international humanitaire, qui est censé donc réglementer justement l'utilisation de la force par des États, le problème de ce droit, c'est que d'une part, vous n'avez pas une bouche de loi qui va dire qu'est-ce que c'est le DIH. Il y a plusieurs États qui vont promouvoir leur conception du DIH et leur application du DIH aussi. Et quand on pense à l'extraterritorialité américaine, je pense qu'on peut l'appliquer à la manière dont ils ont en fait appliqué justement, dont ils ont étendu leur conception de ce que c'est un théâtre d'opération qui, du coup, maintenant n'est plus lié simplement à un espace géographique, mais partout où la menace se trouve, en l'occurrence dans le cas donc de menaces qui sont considérées comme imminentes, elle peut être ciblée par des moyens militaires. Donc il y a d'une part la question de la définition du corpus, et d'autre part, à mon sens, une question qui, moi, évidemment, m'intéresse en tant que politiste, qui est celle de l'application du droit. Parce que de toutes les manières, qu'on définisse une utilisation de la force comme une guerre, comme un conflit ou comme une action clandestine, donc qui n'est pas nécessairement réglementée par le droit des conflits armés, le problème, c'est que si on n'a pas une autorité qui a la volonté et qui a les moyens aussi d'appliquer ce DIH, on n'a pas beaucoup d'effets à part des effets de communication. Donc, à mon sens, voilà, il y a aussi cet aspect-là. Après, à quoi sert la guerre hybride dans la discipline ? Bon, alors déjà, il faudrait pouvoir situer les études stratégiques dans les disciplines universitaires, ce qui n'est pas hyper évident. Mais moi, je pense que... Enfin, moi, je ne sais pas à quoi il me sert personnellement, à part faire des conférences, ce que je pense, c'est que, en fait, le fait qu'un concept serve à des acteurs et soit utilisé pour promouvoir un agenda, il me semble que ce n'est pas une raison pour invalider le concept. Parce que, justement, si on prend quand même tout l'apport de la théorie critique, ça a été justement d'avoir cette focale et de resituer l'utilisation des concepts dans la trajectoire des acteurs. Et je pense que quand on se positionne comme ça, et quand on dit, ben voilà, le concept de guerre hybride, il a émergé en 2005 avec Matisse et Hoffman, qui l'ont utilisé parce qu'ils voulaient sécuriser leur budget pour des troupes. Ensuite,
Il a été utilisé à l'OTAN, et de l'OTAN, il a rayonné, enfin, essayé de faire ce travail de circulation des concepts qui a été fait par Elie Tannenbaum, mais qui a aussi été fait dans le cadre du séminaire, d'un séminaire IRSEM par Paul Charron et par Maxime Audinet. Bah, c'est là où on est dans notre rôle d'universitaire. Voilà, je suis désolée, j'étais un peu longue. Qui veut prendre la parole, peut-être, pour maintenant ? Pour éventuellement. Oui, vas-y, Maxime. Est-ce que ça marche ? Plus ou moins ? Bon, je mets du son. Au cas où. Bon, c'est très bon, bien. T'entends. Alors, merci bien. Effectivement, faut-il relancer nos principes ? Non, évidemment, c'est clair. Est-ce que les menaces informationnelles, est-ce que ça marque la fin de la résilience pour être plus vers la dissuasion ? Ben, je pense spécifiquement que non. Parce que dans le cas de figure précis que vous présentiez, l'acteur est particulièrement insaisissable. Et c'est une lame de fond. Comme je l'ai dit, on ne dissuade pas une menace, on dissuade un acteur. C'est-à-dire qu'on peut identifier quelqu'un, on peut agir sur ses valeurs, sur ce qui va lui faire mal. C'est très compliqué dans ce genre de cas, parce que l'acteur est très insaisissable. Sur la question du à quoi ça sert, le concept de menace hybride ou de campagne hybride, je pense que ça sert à faire prendre en compte les implications, c'est-à-dire cette idée de réduction de la marge de manœuvre et d'imposition du fardeau moral. Parce que ça donne de la profondeur stratégique dans la réponse aussi. C'est-à-dire que ne pas se précipiter sur la réponse qui paraît évidente, mais qui sera peut-être contre-productive, parce que le propre des campagnes hybrides, c'est d'essayer de nous faire prendre des décisions qui seront mauvaises pour nous, qui seront contradictoires avec notre essence démocratique. Donc c'est plus un aspect de sensibilisation à cet aspect de « il faut se garder une profondeur stratégique ». Voilà, c'est à peu près les questions que je me sens compétent pour répondre. Ça marche ? Non. Bon, je vais parler fort. Non, tiens, regarde. Non, juste sur la question, renoncer aux principes démocratiques pour battre un adversaire qui ne les respecte pas. Bon, moi, j'ai parlé du cas russe très brièvement. En fait, c'est précisément dans cette brèche que veut s'engouffrer la Russie. Et on pourrait dire que finalement, la Russie soviétique, hein, la Russie des années 20, 30, puis ensuite, et puis la Russie poutinienne a eu de la chance de se retrouver justement face à la démocratie. Et cela leur a donné des avantages en termes de leadership, puisque les actions soviétiques et russes avaient une certaine forme de cohérence dans l'intention et dans l'action. Toutefois, cette cohérence, si vous voulez, elle est au fond superficielle. On se souvient de la Crimée. Je pense que c'est un bon exemple, l'annexion de la Crimée en 2014. On a l'impression, la Russie poutinienne a donné l'impression d'être cohérente, d'être efficace. En fait, quand on regarde bien cette situation, qu'est-ce qui a poussé la Russie à annexer la Crimée ? Mais ce sont des théories fausses, ce sont des visions fausses du monde. C'est une analyse fausse de la situation, très tronqué du rapport de force. Et en fait, cet unanimisme, cette pseudo-cohérence de plan et d'action, ces principes non démocratiques créent de l'unanimisme, ne créent pas de contradiction et créent des systèmes qui portent en eux-mêmes leur propre négation et qui finiront par, peut-être, probablement, par s'effondrer. C'était le cas de l'Union soviétique. Donc c'est si vous voulez, renoncer aux principes démocratiques, c'est tentant, mais ce ne serait qu'une force apparente. En fait, ce que la Russie et ce que les élites politico-militaires russes détestent chez nous par-dessus tout, c'est précisément le fait que nous fonctionnons, nous nous basons sur des principes démocratiques. C'est notre modèle qui est insupportable. Et une des causes, je pense, profondes de la hargne que Poutine et d'autres élites, dont il est une incarnation, hein, d'autres élites politico-militaires russes, ressentent à l'égard de la Géorgie et de l'Ukraine, au-delà des prétentions impériales à l'égard de ces pays, c'est le fait que ces pays veuillent devenir des démocraties. C'est précisément ce qui les empêche de dormir. C'est horrible, parce que en face d'eux, ils ont quelque chose qu'ils auraient pu devenir eux. Mais là, je renvoie au très, très bon développement d'Alain Besançon sur cette question fascinante. Alors, je vais prendre une question qui a été posée sur l'Iran pour Héloïse, et puis je vais peut-être rajouter une petite question au passage. Pour l'Iran, comment l'Iran met-il en œuvre cette guerre technologique avec le retour ou pas au JCPOA ? Et moi, je voudrais ajouter une petite question aussi par rapport à ce que tu disais sur les,
sur cette combinaison intéressante ce caractère binaire entre force régulière et irrégulière dans ce domaine-là, qui immédiatement, évidemment, je pense pour les russologues, fait penser, alors que c'est assez différent, à ce qui s'est passé en Syrie ou ce qui se passe en ce moment dans le Donbass avec cette dimension binaire entre les forces armées russes et les sociétés militaires privées, notamment Wagner, avec des points où il n'y a que l'un ou l'autre, ou des points où il y a les deux. Et du coup, la question, c'est dans quelle mesure ça te semble transposable, et est-ce que cette définition de régularité ou d'irrégularité, elle s'applique comment elle s'applique dans le cas iranien, et est-ce que ce qu'elle permet dans le cadre russe, c'est-à-dire notamment la question fondamentale du démenti plausible, qui est du déni de plausibilité, je ne sais pas comment on traduit, mais qui est un élément central de cette ambiguïté au cœur de l'hybridité, est-ce qu'elle peut s'appliquer dans ce cas iranien avec ce que tu exposais? Voilà. Non, ça marche vraiment pas. Si, ah si, ok, super. Alors, donc première question, effectivement, la guerre technologique menée par l'Iran et donc qui joue effectivement sur son retour ou non au JCPOA. Alors, pour moi, je vois pas de lien direct entre la technologie iranienne et en fait le JCPOA, étant donné que l'Iran dispose déjà d'un programme, enfin, de technologie assez avancé. Par exemple, je disais des capacités de cyberoffensive assez importantes, cyberdéfense aussi. Et puis, l'Iran a également un programme de missiles balistiques assez puissants dont il sait très bien se servir. On se souvient de tirs de missiles balistiques en janvier 2020 sur la base d'Al-Assad et à Erbil, donc en Irak, après l'assassinat du général Soleimani par les États-Unis. Et l'Iran avait très bien su viser correctement pour ne pas faire trop de dégâts parmi les Américains. Et d'ailleurs, aucun Américain n'avait été tué. Donc en fait, la technologie iranienne, elle est plutôt là-dessus. Et sur le JCPOA, là, on sort un peu de la technologie pure. C'est plus une question évidemment nucléaire, et puis une question aussi de place dans le concert des nations, et puis toujours là aussi de jouer sur l'ambiguïté, reviendra pas. Mais il faut savoir qu'après l'Iran, c'est pas l'Iran qui est sorti du JCPOA, justement, ce sont les États-Unis. Jusqu'à ce que les États-Unis sortent du JCPOA, l'Iran était plutôt respectueux des limites qui avaient été instituées dans cet accord. Et donc l'Iran sait s'en servir pour mettre aussi, par exemple, dos à dos les Européens et les Russes, parce qu'il faut se rappeler que les Russes et les Chinois sont aussi signataires du JCPOA. Donc ta deuxième question, effectivement, c'était sur les relations entre Wagner Wagner ou les SMP et l'armée russe. Est-ce que c'est transposable dans le modèle iranien, c'est ça? Enfin, c'est pas vraiment, c'est pas transposable, oui, mais c'est comment tu penses cette articulation entre force régulière et irrégulière, comme tu les décrivais. Oui. Alors, je pense déjà que et sur le démenti plausible. Ouais. Et par contre, bon, déjà la différence, c'est que par exemple Wagner ou les SMP, elles font pas vraiment partie de l'État russe, alors que la force Code, ça reste, les gardiens de la Révolution, ça fait partie intégrante de l'appareil. Qu'est-ce que c'est irrégulier vraiment, C'est irrégulier plutôt dans le sens non conventionnel, en fait. C'est, on va dire, des méga forces spéciales qui, ou plutôt avec certaines composantes aussi qui s'apparentent plutôt au service action des GSE. Et là, on retombe sur, en fait, la distinction entre, effectivement, est-ce que c'est revendicable ou non, attribuable ou non. Et en fait, il faudrait plutôt voir les forces irrégulières, cette fois non revendicables, c'est plutôt le réseau de proxy. Si on veut reprendre la comparaison russe, c'est plutôt le réseau de proxy, que ce soit au Liban, en Irak ou au Yémen, qui ressemblerait plutôt à des instruments dont l'Iran peut se débarrasser plus facilement et où là les pertes ne sont pas très importantes et l'Iran n'est pas obligé de revendiquer justement les actions qu'ont commises les milices. Et c'est pour ça que c'est extrêmement pratique pour l'Iran. J'essaierai peut-être de prendre la question sur les entreprises et en quoi le concept de campagne ou de menace hybride est pertinent dans ce sens. Et je pense que on a vu, par exemple, avec Cambridge Analytica, ce genre de micro-ciblage de population pour faire changer potentiellement le résultat d'une élection ou faire voter les gens d'une certaine façon, ou en tout cas influer sur la façon dont leur perception se forme. C'est un aspect très cognitif. Et les nouvelles technologies, les big data, l'intelligence artificielle, la capacité de calculer des facteurs et des données brutes
extrêmement individualisée, atomisée, pour ensuite inférer des comportements sociétaux ou pouvoir influencer des comportements de la sorte. Ça rend le fait que les entreprises qui peuvent avoir accès à ce genre de base de données, à ce genre de capacités qui sont extrêmement chères et que les États ne possèdent pas forcément, ça peut rendre le concept pertinent pour eux, d'une façon à ce qu'ils pourraient se lancer dans... on peut voir dans le futur un acteur privé ou une entreprise suffisamment compétente dans ce domaine pour essayer d'influer sur l'aspect cognitif de la manipulation des masses, par exemple. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Ouais, alors je donne la parole. Bonjour. On a beaucoup parlé de l'invasion de l'Ukraine par la Russie au cours des différents débats. Est-ce que les concepts développés de guerre hybride peuvent permettre de mieux expliquer notre propre aveuglement à cette invasion de l'Ukraine par la Russie ? Merci de me redonner la parole. Sans vouloir être provocateur, et pour prolonger la question de madame tout à l'heure, j'ai envie de demander à quoi sert le droit. Les chancelleries occidentales nous expliquent, le droit international, j'entends, les chancelleries occidentales nous expliquent que le fait de vendre des armes ne fait pas d'un pays un co-belligérant. Je pense qu'on... Peut-être serez-vous d'accord sur le fait que là, on arrive quand même à un moment où la quantité d'armes et le type d'armes vendues par les Occidentaux en Ukraine est de nature... a changé le cours de la guerre. La question, c'est à quoi sert le fait de se servir d'un outil, le droit, si la personne qui est en face ne le reconnaît pas, si à un moment Poutine décide que la quantité d'armes vendues par les Occidentaux fait que l'OTAN devient un co-belligérant, le droit ne servira plus à rien. Donc voilà, dans quelle mesure est-ce que finalement, l'utilisation du droit international n'est pas en lui-même un acte de guerre hybride. Merci. Est-ce qu'on a une autre question ? Moi, je voudrais juste poser une petite question à Dimitri. J'ai été frappé dans la présentation d'Héloïse de ce que tu décrivais sur cet écosystème de penseurs et de théoriciens stratégiques bien identifiés avec des think tanks, des cercles d'idées, des revues, etc., même académiques. Il me semble que dans le cadre de la Russie, on a évidemment quelques figures qui ressortent. On a même des revues bien connues quand on travaille sur les études stratégiques. Mais j'ai le sentiment, peut-être que non, mais qu'il y a beaucoup plus d'opacité. Ce qui crée d'ailleurs des situations de quiproquo ou de mésinterprétation, comme la fameuse doctrine la soi-disant doctrine Gerasimov que tu mentionnais. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être développer sur cette porosité qu'il y a entre ces milieux d'expertise ou de théoriciens stratégiques ? Est-ce qu'ils sont bien identifiés et quels sont surtout leurs liens et donc leur influence avec les élites du pouvoir et le régime russe en général ? Et les rédacteurs des doctrines en particulier sur lesquelles tu as travaillé. Merci. Je sais pas si... Je démarre. Bon, je vais reparler fort. Juste pour préciser, il reste 4 minutes. D'accord, bon, je me dépêche. Alors, la porosité des théoriciens militaires russes, de l'État et du régime surtout. Bon, déjà, il y a une porosité théorique, puisque... On pourrait même suggérer l'idée de kagébisation de la pensée stratégique russe, puisque les théoriciens militaires et les siloviki qui sont arrivés au pouvoir dans les années 90-2000 ont convergé dans leur analyse de la guerre et du monde. Et là, j'ai un discours de Sergueï Ivanov en tête, notamment.
Toutefois, ce sont des origines diverses. Alors certes, ils ont convergé, mais ce sont des origines diverses. Il y a cette porosité théorique, mais il y a une porosité évidemment institutionnelle, puisque ces théoriciens militaires, leur développement, se sont retrouvés représentés à très haut niveau, puis dans les documents de doctrine stratégique, puis dans les dictionnaires et encyclopédies militaires russes. Et donc, et puis, in fine, parfois dans la bouche même de Vladimir Poutine. Mais cette porosité théorique et relationnelle, n'empêche pas par ailleurs la critique. Et c'est un point très important. Au moins, je peux en juger au moins pour les années 90, 2000 et une partie des années 2010. La première partie. Ça n'empêche pas la critique, parfois très dure d'ailleurs, du régime, des plus hautes élites politiques et militaires russes. S'il ne s'engage pas dans des actions violentes comme Kvatchkov ou Varenikov à une époque, et ils ne sont pas plus inquiétés que ça. La critique était acceptée dans la littérature militaire, même celle financée et produite, publiée par l'état-major général, donc par la plus haute structure militaire du pays, et puis par des organes de réflexion militaire très très importants, avec des directeurs de centres et même des directeurs de département qui prenaient des positions très dures sur la politique poursuivie. Je prendrai juste l'exemple de la guerre en Géorgie. Elle a été très critiquée, ce qu'on a peu vu ici en Occident. En fait, elle a été très critiquée parce que elle a été considérée comme inutile, coûteuse et qu'il aurait été préférable de contourner cette fameuse lutte armée interétatique dans laquelle se sont engagés les Russes en 2008. Donc porosité théorique, à partir de positions assez différentes et d'expériences d'ailleurs, d'expériences biographiques très différentes, et une porosité relationnelle qui se voit à tous les échelons, à tous les niveaux. Et je pense, là, j'en termine là, je pense notamment à Sergoun, qui est l'ancien chef du GRU et qui représentait bien ces élites militaires et qui a fini très proche de Vladimir Poutine avant de mourir d'ailleurs dans des conditions assez étranges en 2018, je crois. Voilà. Alors, donc, d'abord sur la question sur... En gros, comment les actions hybrides participent à notre aveuglement sur l'Ukraine, ça ? Oui, bah justement, c'est ce que j'essayais de dire dans la question de la temporalité. Je pense que c'est vraiment... en fait, à mon sens, l'idée, c'est pas de rester tout le temps sous le seuil, mais c'est de rester suffisamment sous le seuil pour ensuite, quand on passe au-delà du seuil... maximiser sa liberté d'action. Et je pense que c'est ce qu'a fait la Russie. Donc pour réussir en fait à gagner du temps, il faut justement maintenir une forme d'ambiguïté sur ses intentions. Et donc ce que j'expliquais sur les mouvements de troupes, donc sur l'utilisation du document de Vienne en fragmentant par exemple le nombre de troupes le volume plutôt des troupes qui est en mouvement à chaque fois en utilisant le fait justement de faire des exercices sans notification préalable pour pas avoir pour pas avoir à le dire à des observateurs internationaux, ça engendre une forme de confusion qui participe effectivement à la sidération et à la paralysie. Mais peut-être qu'il y a aussi, mais après moi ça je sais pas, mais peut-être aussi qu'il y a une forme de volonté de pas y croire face au coût du conflit armé. Et d'ailleurs toute cette réflexion sur le contournement du conflit militaire. Je veux dire, on pourrait aussi s'interroger sur pourquoi, quelles sont les causes de ce contournement d'une conflit militaire. Est-ce que c'est le fait nucléaire? Est-ce que c'est l'augmentation de la puissance de feu? Est-ce que c'est la mondialisation qui fait que le coût économique, et d'ailleurs on le voit avec l'Ukraine du conflit, est extrêmement intense? Est-ce que c'est la valeur de la vie humaine? Enfin bon, il y a toute une série de facteurs qu'il faudrait analyser. Cela dit, il me semble que quand même les services de renseignement, notamment américains, étaient assez au clair sur les intentions de la Russie. Donc voilà, il n'y a pas un seul son de cloche dans l'Occident. Enfin moi, en tout cas, c'est les éléments que j'aurais sur ça.
enfin c'est ce qui me vient, mais il faudrait aussi voir s'il n'y a pas eu des manœuvres informationnelles. J'imagine que toi tu sais ça mieux que moi. Et alors sur la question sur le droit, simplement, alors ça c'est une question que moi évidemment j'adore puisque ça renvoie directement à mes travaux sur le lawfare. Effectivement, donc, enfin, il me semble qu'aujourd'hui, toute cette discussion sur le nouvel ordre mondial constitue un nouvel ordre mondial. En fait, ce nouvel ordre mondial, il passe par un discours sur les règles du jeu qui sont présentées par les puissances dites révisionnistes comme issues d'un héritage de la domination coloniale et qui sont donc iniques. Et donc l'idée, c'est de changer ces règles du jeu pour promouvoir un ordre plus multilatéral et juste. Et ça, c'était une déclaration des ministres des Affaires étrangères russes en Chine en mars 2022. C'est lui qui le dit. Et donc, voilà, dans ce cas-là, évidemment qu'il y a une instrumentalisation des règles de droit et que chaque État essaye de promouvoir ses propres règles. Et que ça, c'est vrai sur le droit international, mais c'est vrai aussi sur tout ce qui est standardisation, normalisation technique, par exemple de les normes techniques qui régentent l'utilisation de l'intelligence artificielle. Enfin voilà. Après, ça ne veut pas dire que le droit ne sert à rien et qu'il n'y a plus de droit. Au contraire, moi je pense que ce qu'on voit, c'est une inflation du discours juridique et une inflation des arguments juridiques, parce que toutes les questions politiques qu'on traite aujourd'hui, vous voyez qu'elles sont aussi traitées via un angle juridique. Et donc je dirais pas que non, du coup l'Ukraine, ok, l'Ukraine marque les funérailles du droit international. Et simplement juste sur la notion de co-belligérant et des armes, enfin en fait quand il y a quand même des distinctions qu'il faut préserver. C'est effectivement, c'est pas parce qu'on vend une arme qu'on utilise l'arme. Cela dit, normalement, quand on vend dans les régimes en fait d'exportation des armes, quand on vend des matériels de guerre, on est censé être responsable sur l'utilisation correcte de ces matériels de guerre. Mais ça veut pas dire qu'on participe au conflit. Et heureusement qu'il y a encore un minimum de distinction à ce point de vue-là. De ce point de vue-là. Et sur ces bons mots, on va s'arrêter pour cette table ronde. Je vous propose qu'on fasse une pause un petit peu réduite de 12 minutes au lieu de 15. Et on reprend du coup à 16h18, si vous voulez bien, pour la suite. Bien, nous allons pouvoir commencer cette deuxième table ronde, donc qui sera, comme on vous l'a dit tout à l'heure, consacrée à la partie application, disons, à l'opérationnalisation de ces menaces ou guerres hybrides. L'idée étant de voir ce que l'on fait de ces concepts de guerre hybride dont nous venons de parler, à la fois dans une position, dans une posture défensive, c'est-à-dire comment on se défend contre les menaces hybrides, contre la guerre hybride, mais aussi d'un point de vue offensif, c'est-à-dire est-ce que, dans une certaine mesure, on peut aussi s'inspirer de cette guerre hybride nous-mêmes, ce qui rejoint un petit peu la question posée tout à l'heure sur la question de la démocratie, et est-ce que les démocraties peuvent se saisir de l'hybridité. On pourra en reparler du coup à la fin de ce panel. Donc pour évoquer tous ces sujets, donc j'ai le plaisir de recevoir quatre invités, quatre intervenants. Donc nous aurons tout d'abord le colonel Emmanuel Devigne, qui nous parlera de la lutte informationnelle dans la conduite des opérations des armées françaises. Le colonel Devigne est chef du bureau anticipation stratégique et effet à l'état-major des armées. Ensuite, le colonel Laurent Bancept, qui parlera, dont l'intervention est intitulée « Comment les forces spéciales s'approprie l'hybridité ». Le colonel Bancept est officier de l'armée de terre. Il a été affecté au laboratoire de recherche sur la défense du Centre des études de sécurité de l'IFRI. Il a effectué l'essentiel de sa carrière au sein des forces spéciales. Et il a publié récemment à l'IFRI une note intitulée « Les forces spéciales françaises face à la compétition de puissance ». Louis Pétignot nous parlera des réseaux numériques et cyberattaques dans la guerre en Ukraine. Louis Pétignot est docteur de l'Institut français de géopolitique de Paris 8, chercheur postdoctoral en géopolitique des infrastructures, Internet au sein de
GEOD, et chercheur associé à l'Observatoire de l'infosphère russophone. Et enfin, nous clôturerons ce panel avec Benjamin Houdet, qui nous parlera des services de renseignement et la guerre hybride. Benjamin Houdet est chercheur, spécialiste des questions de renseignement à l'Université Paris 2, et il a notamment publié un ouvrage avec Olivier Chopin, Renseignement et sécurité. Mon colonel, je vous laisse la parole. Comme vous voulez. Peut-être là-bas, le micro fonctionne mieux. Bien, bonjour à tous. Donc, bon, tout d'abord, merci pour votre invitation. Moi, mon rôle au sein des opérations depuis 2 ans maintenant, c'est d'intégrer les moyens que l'on nomme matériels et immatériels, avec une approche, dans les opérations, avec une approche bien particulière qui est celle des effets, et dans un processus qu'on appelle celui de la communication stratégique. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les moyens immatériels ? Eh bien, c'est le cyber, par exemple, la parole publique, les opérations d'information au sens large, et puis tout ça dans une vision assez transverse. Alors, je vais vous parler de la lutte informationnelle. Je ne parle pas de l'hybridité, je parle d'un point particulier, d'un pan particulier qu'on appelle la lutte informationnelle. Et je vais vous en parler en militaire. Donc, je vais vous en parler en tant qu'environnement. J'analyse mon environnement. Qu'est-ce que l'informationnel, dans l'environnement des opérations, me pose comme problème, m'ouvre comme opportunité, et si elle m'en ouvre, et comment est-ce que on tient la ligne de crête dans ce nouvel environnement. Alors, je viens sur quelque chose de très simple. Je vais rappeler juste un ou deux truismes pour qu'on soit bien d'accord sur la base de départ. Et encore une fois, je parle comme un militaire, d'accord ? Aux opérations, moi, je suis un praticien. Je ne fais pas de... Donc, je ne suis pas chercheur. Je vous dis les choses telles comment je les vis. La guerre, c'est un affrontement des volontés. Ça veut dire que l'action sur les perceptions, elle a toujours été au cœur de la guerre. Le but, c'est faire plier l'autre. Pendant très longtemps, on a cherché à faire plier l'autre en détruisant son armée. Et on estimait qu'une fois qu'on avait détruit son armée, on l'avait fait plier. Aujourd'hui, on cherche à faire plier l'autre sans forcément se préoccuper de son armée. Et à partir de ce moment-là, l'échelle de l'affrontement change. Et l'échelle de l'affrontement n'est plus forcément tout de suite et exclusivement un problème militaire. L'information et la diffusion de l'information, pendant très longtemps, a fait l'objet d'une certaine maîtrise. Il n'y avait dans l'espace informationnel qu'un seul narratif, celui du vainqueur. La révolution des technologies d'information a tout changé. Aujourd'hui, la lutte informationnelle, ça devient l'expression particulière de cette nouvelle forme d'affrontement. Et cette lutte informationnelle, elle est puissante et elle est devenue déterminante. Et ce constat nous ramène à mon deuxième point, et après je pourrai démarrer. Qu'est-ce que l'enjeu de la stratégie militaire ? L'enjeu de la stratégie militaire, c'est l'initiative. Donc pour un militaire, l'enjeu de la lutte informationnelle, c'est garder sa liberté de manœuvre, garder sa liberté d'action et rien d'autre. Je ne fais pas de la lutte informationnelle pour de la lutte informationnelle, je ne réponds pas à un tweet pour un tweet, je fais de la lutte informationnelle pour garder ma liberté d'action. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de sujets de lutte informationnelle qui ne sont pas de mon ressort, qui ne sont pas du ressort des armées, parce que ça n'a rien à voir avec ma liberté d'action. Voilà, ces choses-là étant posées, je pense que c'est important qu'on soit d'accord sur ça. Où est la difficulté ? Qu'est-ce qui change ? Comment ? Dans quel cadre on évolue ? Et donc, quelques constats que je vous partage. Je vous propose de vous partager 4 constats et puis 4 conséquences. Premier constat sur la lutte informationnelle. L'informationnel ne se maîtrise pas. On n'impose plus un narratif. On le partage dans un espace de non-droit, qui se nourrit d'émotions et qui ne connaît pas de limite de temps. Donc, l'action militaire, qui est traditionnellement menée dans le champ physique, est très vulnérable. Je peux très facilement, aujourd'hui, prendre un film
récupérer un film sur les réseaux sociaux qui avait été fait il y a 4 ans, où l'armée française, selon les accords de Ouagadougou, participait à l'appui des groupes armés signataires. Je vous le ressors sur Facebook et je vous dis, regardez, l'armée française arme les groupes armés terroristes. Et vous allez tous le croire. Zone de l'endroit, pas de limite de temps. D'où l'intérêt d'avoir des fact-checkers. Deuxième constat, la lutte informationnelle, c'est un champ où on maîtrise très mal les effets. Ces effets ne sont d'ailleurs pas systématiquement proportionnels aux moyens que vous déployez. Un seul tweet peut faire plus de ravages qu'une campagne d'information multisupport. Et la mesure de cela, ce sont les biais cognitifs de vos éditoires. Je peux expliquer à plein de monde que ce sont bien les Russes de Wagner qui ont construit de toutes pièces un charnier à Gossy il y a quelques jours en vous faisant voir des photos et des images. Et il y aura encore plein de gens qui vont croire que c'est pas vrai, que c'est moi qui l'ai monté. Donc il y a des auditoires qui vont nous croire et puis il y en a qui ne nous croiront jamais. Et donc ça pose une problématique d'auditoire, ça pose une problématique de biais cognitif. Tout fonctionne sur les biais cognitifs. Et je vous redirai, c'est la même chose avec les antivax et les vax. Troisième constat, la lutte informationnelle, elle fait changer la guerre d'échelle. Elle pose un problème de front, elle pose un problème d'espace, elle pose un problème de temps. Parce que la lutte informationnelle, elle déterritorialise l'affrontement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, celui qui vous donne la victoire, ce n'est pas forcément la destruction de votre ennemi. L'ennemi n'est pas toujours forcément le point d'application de votre action. Parce que le point d'application, la mesure du succès, eh bien, ce sont les auditoires. Et là, on dépasse largement le périmètre du militaire. Ça crée des besoins transverses et qui portent d'emblée, si je puis dire, la balle sur le terrain de la stratégie nationale et des mécanismes de coordination interministérielle. Le deuxième constat, deuxième réflexion sur le changement d'échelle, c'est la caractérisation du continuum paix-crise-guerre. L'information est déterritorialisée et l'information, elle est permanente. Ce qui veut dire que le militaire ne peut plus se contenter d'agir quand on a décidé de déclarer la guerre ou qu'on a décidé de l'envoyer quelque part. Et c'est pour ça qu'on rentre dans un champ de conflictualité que le chef d'état-major qualifie de compétition, contestation, affrontement. Qu'est-ce que ça pose comme problème aux militaires ? Prenons Barkhane. L'aire d'application de Barkhane, c'est 5 pays. Il y a des pays où on est en compétition avec la Russie dans cette ère-là. Il y a d'autres pays où on est en contestation. Et on espère ne pas aller à l'affrontement. Comment fait-on pour que Barkhane réussisse à disposer d'un narratif cohérent face à la menace russe, puisqu'il y a des pays où on est en compétition et des pays où on est en contestation, et tout ça dans sa même zone, dans sa même aire d'influence, ou en tout cas aire d'intérêt, si je puis dire. Et donc ça pose un certain nombre de soucis, de cohérence et de positionnement. Ça, c'est mon troisième constat sur l'environnement informationnel tel que nous avons à le gérer. Et puis le quatrième constat, ah non, j'en ai un cinquième, bon, c'est pas grave. Le quatrième constat, c'est que l'espace informationnel, c'est un déversoir de narratifs. Un trou noir qui grandit au fur et à mesure qu'on le nourrit et qui dévore nos certitudes et qui dévore surtout une chose, la première victime, c'est la vérité. C'est qu'à la fin, il n'y a plus de vérité. Il n'y a que des narratifs. Et vous croyez ce que vous voulez. Pourtant, la vérité constitue le pilier sur lequel nous fondons nos actions et nos valeurs. Et donc, notre crédibilité.
Voilà, et puis le dernier constat, parce que j'ai dit qu'il y en avait un cinquième, c'est que l'utilisation du champ informationnel dans les opérations, pour les militaires, il ne s'envisage pas simplement sur le champ de la communication publique et des réseaux numériques, il s'envisage aussi sur le terrain, dans des pays où 4% de la population a Internet. Donc tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux n'est pas l'alpha et l'oméga de ce que pensent les gens. Quand 97% des gens sur les réseaux sociaux critiquent la France en Afrique et vous allez sur le terrain, vous verrez que sur place, globalement, les Maliens, les Centrafricains, ils ne nous jettent pas des pierres. Et ils continuent à nous soutenir, la population, j'entends. Et donc ça crée des biais. Voilà l'environnement dans lequel on fonctionne quand on parle de lutte informationnelle dans les opérations. Je n'ai pas dit que c'était mal, j'ai dit que c'est notre environnement. Donc quelles sont les conséquences? Les conséquences pour nous, et la première conséquence, c'est la plus importante, c'est de l'importance de dire toujours et constamment la vérité en s'appuyant sur les faits. C'est notre positionnement et on n'en démord pas. On n'empêchera pas la calomnie, mais nous, on n'en fait pas et on essaie de ne pas faire d'à peu près. Et notre exigence éthique ne doit jamais être questionnée, ni par nos concitoyens, ni par tous ceux qui nous regardent et qui regardent les faits avec un esprit non partisan. Dire la vérité, c'est une constante, et cela sans jamais dévier, si je puis dire, de la crête étroite sur laquelle on évolue. Le jour où on rentrera dans la fake news ou la manipulation, on aura rompu cette confiance et cette crédibilité. La deuxième conséquence, c'est qu'à partir du moment où on met en œuvre des moyens très différents dans des endroits très différents, il faut être capable d'une coordination très très fine et très anticipée au niveau stratégique. Il faut faire réussir à converger tous les moyens qui agissent dans le champ informationnel. La parole publique, du CEMA, mais aussi des chefs, les actions du cyber, les opérations d'information au sens large, et aussi toutes les actions physiques qui ont des impacts dans le champ informationnel. Quand on fait appareiller un porte-avions, globalement, ça délivre un message. Et ça, un impact dans le champ informationnel, ça veut dire quelque chose. Donc tout ça, ça nécessite d'être finement coordonné. Et tout ça a un impact dans l'espace informationnel. La troisième conséquence, c'est qu'il faut inscrire l'action militaire autant qu'il est possible dans une stratégie nationale et à dimension interministérielle. À partir du moment où on déterritorialise un champ d'action, forcément, on le fait sortir du cadre du périmètre dans lequel les armées interviennent. Et donc tout le monde a sa part. La quatrième conséquence, c'est qu'il faut s'adapter autant qu'il est possible au temps de la formation. Le militaire, il est dans le temps long, il planifie, il anticipe, il planifie, et il n'est pas en permanence sur les réseaux sociaux ou sur les téléphones, ou les chaînes de 24-24 en train de regarder le dernier scoop qui tombe. Pour autant, aujourd'hui, il faut qu'on ait des systèmes de veille et d'alerte pour éviter que un tweet nous paralyse notre liberté d'action. Je vais vous donner un exemple très simple qui n'est pas polémique du tout. C'est un exemple très simple. L'affaire de Bounty au mois de février. En deux tweets de gens qui n'étaient pas sur place et qui ont dit deux choses différentes, a fait un troisième tweet de quelqu'un bien intentionné qui a mélangé deux trucs. Et le lendemain, plein d'autres personnes, très bien intentionnées et faisant leur travail d'ailleurs, ont pris ça pour argent comptant, l'ont légitimé et on a mis 8 mois à essayer d'expliquer quelle était la vérité de cette affaire. Et on n'a pas été paralysé par les djihadistes, on n'a pas été paralysé par les gens que l'on combattait sur le terrain, on a été paralysé par des gens à Paris, à New York ou ailleurs, simplement parce qu'ils pensaient que. Enfin, dernière chose, de manière à pouvoir toucher des audiences plus larges, on est amené à développer des partenariats avec nos alliés
avec l'OTAN, avec l'Union européenne, parce que tout seul, on ne peut pas agir dans un champ qui est aussi vaste et aussi, si je puis dire, non fini. Voilà, je m'arrête, parce qu'on avait dit que c'était un petit quart d'heure. Encore une fois, vous avez compris, le sujet est vaste. Je vous ai dit des choses très concrètes, ce que je vis, et quelles sont les données d'entrée qui font aujourd'hui la manière dont on doit penser les opérations, dont on doit les mener. Quel est l'environnement dans lequel on vit ? Ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, c'est que l'enjeu de la lutte informationnelle, ça reste bien la liberté d'action des armées, en tout cas pour le militaire. C'est un objet qui est complexe, mais qui est complètement déterminant et aujourd'hui totalement incontournable. Vous pouvez mener une action très vertueuse quelque part et vous la faire démonter sur des réseaux, et tout le monde croira que vous avez été débouché alors que vous avez sauvé du monde. Et tout le monde en sera persuadé. Et donc, ces choses-là touchent au cœur des opérations. Le succès des opérations, aujourd'hui, il s'explique, et il faut convaincre. Et il faut convaincre dans un monde où tout le monde a le droit de mettre ce qu'il veut. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas refroidi. Mais je pense que c'est important que vous l'entendiez d'un militaire qui voit ça au quotidien. Et donc cela pose un certain nombre de défis qui débordent largement du seul domaine militaire, et c'est pour ça que je pense qu'il faut continuer à y réfléchir. Je trouve ça très bien, et je vous remercie de continuer à réfléchir à tout ça, en prenant aussi peut-être le parti de se mettre à la place de chacun pour regarder un peu comment lui vit ce genre d'environnement. Je vous remercie. Voilà. Merci, mon colonel. Alors, une intervention qui doit déjà susciter de nombreuses questions, j'imagine. Juste pour, comme ça, comme teasing, pour préparer la séance de discussion tout à l'heure, est-ce que finalement, ce à quoi on assiste, ce n'est pas un passage de la défense nationale à la sécurité nationale, avec un certain nombre de pays qui ont reconfiguré leur conception sur ce plan? Si je voulais provoquer un petit peu, moi aussi, je vous demanderais ce qu'il y a véritablement de nouveau dans les constats que vous faites. Qu'est-ce qui est simplement un prolongement de tendance, une accélération liée à l'émergence des technologies du numérique, aux réseaux sociaux, et qu'est-ce qui est véritablement un changement de nature et pas simplement de quantitatif? Et juste comme ça, dans vos conséquences, il y en a deux qui m'ont interpellé notamment. Dire toujours la vérité en s'appuyant sur les faits, très bien, mais quand il n'y a plus de vérité, ce que vous nous avez dit avant, comment fait-on? La question de la coordination, je trouvais ça très intéressant aussi, parce qu'en fait, on peut se demander si c'est vraiment un problème de coordination, pour la France, hein, on peut se pencher sur les autres pays aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un problème de coordination de nos messages, ou est-ce qu'on n'a pas de message? Et la question, c'est ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on a véritablement quelque chose à dire le temps, ou voilà, je pense que ça, c'est une question qu'il faut sans doute aussi poser, mais on aura le temps de discuter vraisemblablement tout à l'heure. On va passer donc aux forces spéciales maintenant, voir comment celles-ci conçoivent ces questions de guerre hybride. Merci beaucoup, Paul. Merci à Paul et à Maxime de m'avoir invité aujourd'hui à l'IRSEM. Alors, sans doute, le fait qu'un officier se présente en civil est déjà une part d'ambiguïté et une part d'hybridité. Donc, n'y voyez aucune malice. C'est simplement le fait que je sois mis à disposition de l'IFRI pour un an qui explique ma tenue et la raison pour laquelle je ne suis pas en uniforme. Voilà. Tout d'abord, comme d'autres intervenants l'ont dit, il est clair que la notion même d'ambiguïté est en débat et elle n'a pas fini d'être en débat, je pense, même si on a pu supposer qu'il en était terminé. Je vous renvoie évidemment au travail qu'a évoqué tout à l'heure Elie Tannenbaum, qui commençait en 2015, à partir de laquelle on commençait déjà à se demander quelle en était la définition. Mais il faut reconnaître aux forces spéciales et notamment au COS le mérite d'avoir été parmi les premières institutions militaires françaises à s'intéresser de façon un peu approfondie au caractère opérationnel de ce sujet.
Ces travaux ont donné lieu en juin 2020 à plusieurs réflexions internes au MINERM, enfin en tout cas publications internes au MINERM, ce qu'on appelle des réflexions prospectives, dont l'une était intitulée « Place des armées dans les stratégies hybrides et emploi du COS en zone grise ». Ils ont par la suite servi d'aiguillon aux différentes réflexions menées au sein de l'État sur ces questions, participant, je pense ainsi, à une clarification heureuse du sujet et je crois aussi à une plus grande collégialité de son étude. Alors j'en viens donc à notre sujet, le rôle que peuvent remplir les forces spéciales dans l'hybridité. Alors pour l'aborder, je vous propose trois éclairages rapides. Le premier point qui me semble important d'intégrer à la réflexion est celui des aptitudes spécifiques des forces spéciales face au contexte d'ambiguïté. Pour en parler, je vais revenir quelques instants sur ce qu'elles sont aujourd'hui et ce qui traduit les évolutions qu'elles ont subies au cours des 20 dernières années, des guerres contre le terrorisme, qui a profondément modifié ce qu'elles sont. Ensuite, je crois quand même qu'il faut s'intéresser à l'évolution du concept d'hybridité qui a quand même fortement évolué à la suite du conflit ukrainien, en tout cas dans la réflexion, il l'a même, je pense, en partie porté. Et c'est sans doute nécessaire de revenir sur l'idée que nous sommes faits de l'action spéciale au prisme de ce conflit depuis 2014. Enfin, je dirais quelques mots sur la place que pourront jouer les forces spéciales françaises dans le contexte actuel et futur de l'hybridité, si tant est qu'il reste pertinent. Enfin, en tout cas, dans le triptyque qu'a décrit le colonel Devigne, il est très clair qu'il y a une place pour les forces spéciales. Donc tout d'abord, et au risque d'enfoncer une porte ouverte, ce qui ne serait pas très cosse, je vous l'accorde, je rappelle, et nous savons tous, que cette hybridité n'a rien de nouveau, y compris pour les forces spéciales. Nos unités spéciales s'y sont beaucoup confrontées, notamment pendant la guerre froide. Parce que pendant cette période, l'impossibilité d'un affrontement conventionnel direct avait conduit finalement au large développement d'une guerre non conventionnelle. Donc ce n'est pas tout à fait nouveau. Elle a été mise en œuvre en grande partie, principalement chez les Occidentaux, par les Américains et par la France. Mais chez nous, son expression militaire est restée essentiellement le fait des services spéciaux, donc pas des forces spéciales, puisque c'est les services spéciaux qui disposaient alors du monopole de ce qu'on appelait à cette époque l'action spéciale. Nos forces spéciales contemporaines, celles qui ont été rassemblées sous le commandement des opérations spéciales en 1992, Petite page de publicité, c'est l'anniversaire des 30 ans. Nous allons bientôt avoir toute une série d'événements pour le fêter. Alors ces unités, elles ne disposaient pas au départ ni de l'expérience, ni a fortiori des compétences spécifiques pour mener ce type d'engagement en 1992. Leur aptitude était avant tout celle de l'infanterie commando, celle qui fait des coups de main et des engagements dans la profondeur, en milieu très, très peu permissif. Les 20 dernières années et la lutte contre les réseaux terroristes ont conduit largement à renforcer ces capacités et ces aptitudes qui apparaissent du coup aujourd'hui comme des véritables atouts pour revenir à la guerre hybride et à ce type d'engagement. Je crois que la première de ces capacités, ça peut paraître un peu étonnant quand on a envie d'entendre parler des commandos, mais la première de ces capacités, c'est la transformation de l'état-major du COS. Donc à la différence d'il y a 20 ans, le COS est désormais un véritable état-major de planification et de conduite d'opération. C'est un état-major où la culture interarmée est extrêmement forte, à l'image des unités spéciales elles-mêmes quand elles sont déployées, qui sont systématiquement des unités interarmées, à la différence d'autres pays, comme notamment les d'autres nations, et notamment les anglo-saxons, qui ont fait systématiquement le choix de déployer des unités homogènes par armée. C'est pas le cas des forces spéciales françaises qui sont systématiquement déployées en task force interarmée. Elles le sont pour leurs compétences spéciales, elles le sont aussi pour leurs appuis, qui sont eux aussi systématiquement interarmés. Et comme il est important de le retenir, il n'y a pas d'opération spéciale sans opération conventionnelle, ce qui pointe déjà en partie l'idée de l'intégration dont parlait le colonel Devigne tout à l'heure. En outre, depuis 2013, et ce n'était pas le cas précédemment, le COS assume presque systématiquement le commandement de ses opérations, bien sûr dans le cadre de la chaîne normale des armées avec à sa tête le CPCO. Et là, je veux préciser un point, les forces spéciales restent strictement un outil militaire, ce qu'on appelle les forces spéciales en France, en tout cas, c'est un outil militaire aux ordres du SEMA. Donc nous ne sommes pas les Pasdaran ou les Basinji de la France, on est un outil militaire aux ordres du SEMA. L'état-major du COS participe aussi au cycle de l'anticipation stratégique. Il dispose désormais de ses propres réflexions dans le domaine. En un mot, le COS est capable désormais de suivre de très près l'évolution de la conflictualité, de veiller toute une série de signaux faibles, de les interpréter, ce qui lui donne une capacité essentielle qu'il n'avait pas nécessairement précédemment, celui de saisir ce que j'appellerais l'opportunité, de jouer l'opportunisme opérationnel. Et ce qui est très utile dans ce bas du spectre de la conflictualité à laquelle on s'intéresse depuis tout à l'heure. Et j'y reviendrai. Ensuite, depuis 20 ans,
Les forces spéciales ont réalisé la révolution du renseignement en leur sein. Alors, je ne veux pas, j'espère, prendre sur le propos de mon successeur à ce micro, mais elles ont tout d'abord fortement augmenté leur capacité de recherche autonome en développant notamment les modes opératoires de la recherche humaine. Elles bénéficient largement de moyens dits multicapteurs, ce qui n'était pas du tout le cas il y a même encore quelques années, des moyens de fusion de ce qu'on appelle l'UMINT, le SIGINT, l'IMINT, les sources ouvertes. Et elles ont aussi considérablement renforcé leur capacité d'analyse. Et tout ça, ça ouvre des champs d'action qui sont extrêmement vastes. Et enfin, elles sont aujourd'hui branchées de façon permanente, ce qui là aussi n'était pas une réalité il y a encore quelques années avec la DGSE et la DRM, avec d'autres services français, voire des services étrangers, ce qui lui permet d'avoir une porosité extrêmement utile dans la mesure où le renseignement, on va le voir, je pense, dans quelques minutes, est vraiment le point clé, à mon sens, de ces engagements hybrides. Enfin, le dernier point que je voulais souligner est l'évolution de leur réseau international. La guerre contre le terrorisme leur a permis de se connecter fortement à leurs homologues, essentiellement anglo-saxons, dans le cadre de ce que l'amiral McRaven a nommé à l'époque le Global Soft Network, c'est-à-dire le maillage international de l'ensemble des forces spéciales alliées. Ensuite, les partenariats avec les acteurs étrangers, ce qui se trouve bien entendu dans l'ADN des FS, c'est ce qu'elles ont fait à leur origine, se trouvent largement renforcés et ont été expérimentés. Alors j'en veux pour preuve l'exemple le plus marquant qui, à mon sens, est celui du Levant, en raison de la variété des acteurs avec lesquels on a travaillé. Oulkos travaillait à la fois avec l'armée irakienne, avec les forces du gouvernement kurde irakien et puis avec les milices syrienne, parfois avec d'autres groupes, ou en tout cas dans des contacts pas forcément très approfondis, mais on avait un lien avec tous les acteurs loyalistes, on va dire, de ce conflit, et pour permettre de vaincre le I avec toutes les forces qui étaient sur le terrain. Donc cette dimension appelle évidemment la question de la maîtrise de ces partenariats, qui est une dimension sous-jacente, donc, sur laquelle on pourra revenir si vous voulez, mais qui montre aussi le caractère plus risqué de ce type d'opération, on peut dire de basse intensité ou de basse intensité, je pense qu'on peut le dire comme ça, en tout cas dans ce type de phase. Même si contre le I, ce n'était pas exactement de la basse intensité. Ainsi, depuis 20 ans, je dirais même plus précisément depuis une dizaine d'années, je ferais remonter ça plutôt autour de 2013, la clé de voûte de toutes ces évolutions est la capacité d'intégration et même plus précisément de fédération des différentes composantes d'un engagement militaire. Le COS est donc capable, à mon sens, aujourd'hui, dès à présent, d'agir, alors comme le reste des armées, mais enfin, il a sans doute pris l'habitude de le faire de façon plus rapide et peut-être un peu plus précoce. Donc on agit dans le multimilieu et dans le multichamp, de se trouver à la charnière du politico-militaire, du stratégico-opératif, donc d'être vraiment sur une sorte de plateforme et d'agir en interaction avec les opérations dans les champs immatériels. Ce n'est pas du tout une évidence quand on voit l'outil qu'était le COS il y a 20 ans et ce qu'il est arrivé à être aujourd'hui. Les FS ont également largement progressé dans le champ de la conduite des opérations intégrées et complexes. Donc l'ensemble de ces caractéristiques, finalement, en fait un outil redoutable pour la guerre hybride, ou en tout cas celle dont on parle aujourd'hui. Si l'on considère quelle est la conjugaison des moyens réguliers et irréguliers, physiques et immatériels, dans une seule manœuvre de contournement de la puissance militaire, donc les forces spéciales apparaissent quand même comme un outil, je pense, privilégié, ou en tout cas un des outils majeurs, même si, évidemment, ce n'est pas le seul. Par ailleurs, il faut reconnaître à nos compétiteurs stratégiques un avantage, celui de la capacité à orchestrer, et on l'a évoqué il y a un instant, très finement et très efficacement, l'ensemble des leviers. C'est bien un point fort qui est vraiment dans leurs mains, sans doute par rapport à l'ensemble des démocraties, et je pense particulièrement par rapport à la France. Cette capacité à orchestrer pour atteindre leur objectif sans se confronter directement à la volonté de l'adversaire, dans la recherche de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la recherche notamment du fait accompli. Donc dans ces cas-là, la façade reste propre et l'immeuble, un beau jour, s'effondre et on n'a rien compris en particulier. Ou en tout cas, on n'a pas su saisir les opportunités pour le contrer. Donc à mon sens, il y a bien là une modalité de subversion à grande échelle que les compétiteurs parviennent à mettre en place pour s'opposer à l'ordre international qu'on a évoqué en première partie tout à l'heure. Et pour cela, ils savent parfaitement jouer de l'imprévisibilité, de l'ambiguïté, du flou et bien sûr de la fulgurance, qui sont aussi des caractéristiques des forces spéciales, soit dit en passant. Donc face à cette modalité, à quoi peuvent servir les forces spéciales et notamment les forces spéciales françaises ? Bon, alors moi aussi, mais c'est un peu une tarte à la crème ces temps-ci chez les officiers français, supérieurs et sortants et entrants dans les états-majors, je vais parler du triptyque du SEMA, et donc du triptyque compétition, confrontation, affrontement, mais qui reste évidemment le cadre général de notre réflexion stratégique, donc c'est bien normal d'en parler.
Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le propre des forces spéciales reste d'agir avec des forces, avec des effectifs en tout cas extrêmement réduits, une empreinte limitée. Ça peut quasiment d'ailleurs les caractériser, atteindre un objectif stratégique avec des effectifs et une empreinte ou une signature qui soit extrêmement faible. Et dans ce contexte d'hybridité, qui combine à la fois la subversion informationnelle, les actions de harcèlement dans le champ physique, les forces spéciales ont bien toute leur place. Donc dans ce triptyque, en matière de compétition, et c'est, je pense, un des champs majeurs d'engagement des forces spéciales, je crois qu'elles sont particulièrement aptes à l'engagement dans la compétition pour accepter de jouer à la compétition. Et l'air de rien, il faut quand même le dire, on a des tas d'occasions récentes où on a vu qu'on était mis en compétition, mais on n'a pas nécessairement accepté d'entrer dans le jeu. Et je pense que les forces spéciales sont un outil pour pouvoir justement entrer dans ce jeu, y compris dans le champ militaire. En effet, les compétiteurs se placent en permanence en situation de concurrence à notre égard. Ils sont en permanence en train de chercher à nous prendre des parts de marché. Pour ça, les FS, c'est un outil privilégié pour s'y opposer, et en particulier pour chercher à révéler les intentions de l'adversaire, dont la lisibilité est sans doute la première chose complexe pour nous. C'est notamment le cas par la recherche par moyens opérationnels, et en particulier par sources humaines. C'est pour ça que j'ai évoqué en particulier la révolution du renseignement. Mais elles pourront aussi contribuer à dissuader à moindre coût, parfois par leur simple présence. On a, lors d'un échange avec des Australiens récemment, je ne sais pas ce qu'il en reste, mais en tout cas, avant les sous-marins, on avait une relation assez approfondie avec les Australiens, et ils nous proposaient de me faire un exercice du côté des îles Salomon, ou par là, en disant, si les Chinois voient apparaître des forces spéciales, tout de suite, ils lèvent l'oreille. Ils peuvent voir passer des bateaux, bon, ce genre de choses, très bien. Mais ils voient des forces spéciales, c'est un marqueur d'une vigilance particulière, et il y a un effet dissuasif par la simple présence. Tiens, il y a des forces spéciales, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un effet dissuasif quand même à moindre coût, dont il serait dommage de se priver. Voilà, ça va aussi bien sûr aller parfois jusqu'à une forme de démonstration de force dans le cadre d'exercices, ce qui a été joué l'année dernière en Méditerranée orientale, par exemple. Tout ceci restant limité, contrôlé, c'est bien l'enjeu, mais manifestant une volonté claire et permettant de dire à l'adversaire que ses intentions ne sont plus ambiguës et qu'elles ont été révélées, et en tout cas pour nous, devenues lisibles. Donc on pourrait, en type d'opération, par exemple, imaginer la révélation d'un trafic d'armes interdit par un embargo international, la destruction d'un émetteur radio ou la capture de mercenaires. Je balaye un champ dans lequel on est exactement dans le concret, parce que aujourd'hui, ce qu'on a encore vu récemment, c'est la capture de militaires par des mercenaires. Je pense qu'on peut aussi renverser le jeu. Et ça s'est fait il n'y a pas très longtemps en RCA, et juste avant un fait majeur, ce qui est un peu surprenant. Dans le champ plus discret, pointer une vulnérabilité particulière de l'adversaire appartiendrait typiquement à ce type de dialectique. Cette dialectique, c'est celle de la théorie du verre d'eau, disons, celui qui éteint la flamèche avant que l'incendie prenne trop d'ampleur. Et ce signal-là, il reste, enfin en tout cas les forces spéciales dans le champ militaire, il y a d'autres outils évidemment, mais en tout cas dans le champ militaire, c'est bien l'outil privilégié de cette théorie du verre d'eau. Mais si cette manœuvre n'a pas suffi, nous entrons alors dans le cadre de la confrontation, qui reste marquée par l'hybridité en raison forcément de la persistance de manœuvres informationnelles et subversives élevées. Donc dans ce cas, le rôle des forces spéciales, qui seront alors moins contraintes par la furtivité, c'est tout l'avantage, sera celui de rupteur d'escalade. Rupteur d'escalade, c'est vraiment un rôle qui me semble essentiel. Donc une telle action porterait, je pense, prioritairement sur les réseaux de ce qu'on a, le COS appelle les acteurs relais adverses. Donc leur proxy, c'est le terme convient également, avec tous les modes d'action qui sont finalement propres au contre-terrorisme. Et c'est là où on capitalise sur tout ce qui s'est fait depuis 10 à 20 ans. Des opérations identiques pourront d'ailleurs s'envisager contre les forces spéciales adverses qui feront la même chose que nous, ce que les Américains et les Anglo-Saxons appellent les opérations soft-to-soft. Ça, c'est complètement dans le registre. Elles pourront aussi prendre la forme de saisie de points clés, assez classique pour des commandos, mais qui marque clairement un rôle de signalement stratégique et de manifestation de notre volonté. Ce que je vous décris là, finalement, c'est un peu ce que les Russes ont fait en 2014. Et je crois que ça reste dans le panel des choses qu'on pourrait très bien jouer, tout en restant maîtrisé. C'est bien tout l'enjeu, pour ne pas dépasser les seuils qui ont été évoqués tout à l'heure. Enfin, l'action peut entrer dans l'appui aux opérations informationnelles, parce que, comme le disait le colonel Deving tout à l'heure, il y a aussi un impératif à étayer ce qu'on dit dans le champ opérationnel, dans le champ physique, et ça peut se faire par le biais des forces spéciales. Pour terminer, je voudrais vous livrer quelques réflexions rapides, au travers de quelques remarques. Premièrement, il me semble que si la guerre de 2014 en Ukraine a été fortement marquée par des modes d'action qui ont été qualifiés d'hybrides, il est clair que la séquence actuelle l'est beaucoup moins du côté des Russes. Mais en 2022, s'il existe une guerre hybride, elle est peut-être finalement de notre côté. Quand on voit la conjugaison des actions et des leviers qui sont mis en œuvre contre les Russes dans le cadre de ce conflit,
Peut-être peut-on s'interroger sur le fait que nous menons, effectivement, peut-être comme dirait Gerasimov, on va finalement finir par lui donner raison, une forme de guerre hybride. Ensuite, et pour reprendre un peu les questions qui ont été posées tout à l'heure, les 30 dernières années ont sans doute renforcé la vigilance sur le strict respect par les armées occidentales du droit des conflits armés, et sans doute doit-on s'en réjouir. Pour autant, on voit bien que dans les exemples d'approche hybride par les compétiteurs interrogent sur les limites de ces normes. Et en effet, il sera vraiment difficile de jouer aussi efficacement qu'eux si on se restreint à un cadre trop rigide, ce qui pose non pas l'enjeu d'y renoncer, mais l'enjeu de l'interpréter correctement. Donc c'est aussi valable pour la capacité à apprécier, je dirais même à calculer le risque. Le risque d'abord politique, puis aussi le risque des pertes, et la capacité à s'exposer. Ce que je suis en train de dire là, c'est que si on veut mener une guerre hybride, il faut accepter d'utiliser pleinement tout l'espace, et c'est ce qu'a dit notamment Amélie tout à l'heure sur la ruse de guerre par exemple, tout l'espace laissé par le droit, et non pas se corneriser sur une impression que plein de choses sont interdites aux démocraties. Et aussi la prise de risque est forcément plus importante quand il faut aller mener quelques coups tordus comme le font nos adversaires. Il y a donc pour nous un impératif à conserver une liberté d'action aussi large que possible, ça a déjà été dit, et non pas de la surencadrer a priori, mais bien dans le cadre de la conduite, d'aller chercher son plus vaste domaine. De plus, derrière le contexte de guerre hybride se trouve évidemment celui de la guerre politique, cher Paul. Je vais pouvoir en dire un mot. Pouvoir y évoluer avec aisance ne peut pas se concevoir, à mon sens, sans un surcroît de connaissance de son environnement. C'est pas spécifique aux forces spéciales, ce que je dis, mais je pense que ça nous concerne quand même au premier chef, si on doit être un élément avancé. Et il est évident que jouer la compétition dans un contexte politique complexe et dégradé impose de pouvoir le lire et en comprendre plus clairement les caractéristiques. Donc ceci imposera un effort particulier sur ce que les Américains nomment avec leur goût pour les concept standardisé, le human domain, même si c'est un peu passé de bonne, mais néanmoins il reste quand même sur ce type de contexte, de concept, pardon. Donc langue et civilisation, histoire, géographie, mais aussi les dynamiques sociales et politiques, la biographie des acteurs et la compréhension des organigrammes et des schémas décisionnels. Je dis ça pour Amélie parce qu'elle sait que c'est mon dada. Voilà, tout ceci peut sembler évident, mais il est clair, je crois qu'on n'y est pas encore. Et les engagements contre les organisations terroristes ou contre les insurrections dont elles se sont emparées, notamment en Afrique de l'Ouest, démontrent à quel point on ne peut pas en faire l'impasse et tout l'effort que ça doit représenter pour nous. Donc pour ma part, je crois ici énormément au rapprochement entre le monde universitaire et les administrations régaliennes, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et donc je crois que c'est très positif et qu'il faut continuer. Donc, j'ai la même chose qu'Emmanuel, donc on est d'accord, ça ne m'étonne pas. Enfin, pour pouvoir jouer contre les compétiteurs désinhibés, employant contre nous tout le spectre des moyens, ça pose la question de l'agilité de nos schémas capacitaires, de nos organisations, leur capacité à travailler en commun. Je crois que c'est quand même, on revient tous un peu là-dessus. Et donc, à mon sens, la première des fonctions sur laquelle il faut s'interroger me semble être quand même la Stratcom, dont tu as parlé, Emmanuel, qui reste l'outil majeur, à mon sens, pour traduire les actions dans le champ des perceptions, qui reste bien le véritable champ de bataille dès lors qu'on sort de la confrontation brute, c'est-à-dire dès lors qu'on sort de l'action directe pour entrer dans le champ de l'approche indirecte, qui est celui de la guerre hybride. Voilà, je vous remercie. Merci. Là aussi, donc, beaucoup de questions, j'imagine. Juste deux petites choses comme ça pour avant d'enchaîner. J'ai trouvé très intéressant la référence, ou en tout cas l'expérience tirée de la lutte contre le terrorisme, mais je me demande quels en seraient les enseignements de manière un peu plus précise, et surtout est-ce qu'ils sont transposables à une guerre hybride menée par des États, et est-ce qu'il y a des limites du coup à cette transposition. Alors, je trouve ça très bien que le COS se dote de moyens d'analyse du renseignement. On aimerait en savoir plus. Il y a la question des scénarios qui ont été évoqués, qui peuvent essayer de dessiner une fonction pour les forces spéciales dans ce cadre de la guerre hybride. Mais alors, qui forge ces scénarios ? Est-ce que c'est uniquement au sein du COS ? Est-ce que ça va au-delà ? Et sur le plan de la réflexion stratégique, comment ces scénarios sont vraiment ancrés
avec une connaissance la plus en pointe de l'environnement géopolitique, parce que je pense que c'est un élément qui est indispensable, sinon au risque de faire des scénarios qui tournent un petit peu à vide et de pas cibler correctement l'emploi qui peut être celui des forces spéciales. On va donc passer maintenant aux attaques cyber avec Louis Pétignot dans le cadre de la guerre en Ukraine. Eh bien, je vais commencer par remercier Paul Charron et Maxime Audinet de m'avoir invité à cette conférence et cette journée d'étude, plutôt en espérant que... Non, c'est pas celle-là. Ok. Ah. Voilà. Très bien. Donc merci à vous deux. Je vais vous parler du domaine cyber de manière un peu générique dans la guerre, en me focalisant alors principalement par est-ce qu'il faut que je partage un autre écran ? Oui, il faut partager l'écran. Nouveau partage. Donc voilà, alors en me focalisant sur certains aspects plus que d'autres, par simplement à la fois un peu de manque de temps et par ma spécialisation aussi. J'ai commencé par quelques questions, tout simplement parce que quand on parle de cyber, il faut commencer en général par se poser des questions à la fois définitionnelles et quand on parle de la guerre en Ukraine, également et surtout. Donc déjà une question de borne chronologique, de savoir tout simplement à partir de quand on observe un phénomène cyber significatif dans la guerre en Ukraine. Alors, selon les auteurs, ça peut démarrer à une de ces dates-là, 2015-2016 étant la date d'attaque particulièrement grand, créé un précédent en Ukraine, puisque ça, elle ciblait des infrastructures électriques. On aurait pu rajouter 2017 pour notre PETIA, etc., etc. Donc on parle évidemment d'un environnement qui change beaucoup rapidement, qui est aussi relativement mal connu par... en tout cas les chercheurs, également par difficulté technique, puisqu'évidemment, à un certain moment, il faut rentrer dans le technique. C'est aussi un environnement marqué par une connaissance biaisée, puisqu'évidemment, on ne tire de l'environnement que ce que les acteurs veulent bien nous en dire le plus souvent. Et évidemment, comme en délimité cyber, qui est alors une question particulièrement ouverte en général. Donc on va procéder par couches. Alors moi, je vais parler principalement de la couche infrastructurelle, à la fois physique et logique, pour voir dans quelle mesure la Russie s'en empare pour mettre en place des stratégies d'appropriation territoriale en Ukraine. Et donc je vais élargir un peu le champ du conflit en allant jusqu'à 2014 pour avoir... Et en fait, pour justement voir dans quelle mesure en 2022... les stratégies déjà éprouvées de la Russie se réalisent à nouveau en Ukraine. Et je parlerai un peu de cyberattaque à la fin en espérant en avoir le temps, un temps suffisant. Voilà. Donc en commençant par les infrastructures physique d'Internet. Alors rapidement, la définition des infrastructures physiques, elle est extrêmement débattue aussi, puisque évidemment votre téléphone dans votre poche, il fait aussi partie des infrastructures du cyberespace. Donc c'est plutôt quand même les câbles sous-marins terrestres par lesquels transitent en sous-marin 99% quasiment des données. C'est aussi les data centers, les tours 4G, enfin bref, tout ce qui permet en gros l'accès à Internet pour tout un chacun. Donc la question qui a été posée, entre autres, au début de la guerre, et même toujours, en fait, c'est de savoir dans quelle mesure les infrastructures sont une cible en Ukraine pour l'armée russe. Pour l'instant, il y a un assez faible impact de ce qu'on a vu, à la fois parce que le réseau ukrainien est extrêmement décentralisé, et ce qu'on verra, en fait, au niveau... ce qui existe au niveau physique, on le verra aussi au niveau logique, juste après.
Et je définirai rapidement le niveau logique quand on sera, quand on arrivera à ce point-là. Et parce que les réparations par les opérateurs sont extrêmement fréquentes, y compris sous, dans des conditions extrêmement difficiles. Mais il y a une priorisation aussi de la défense ukrainienne et des opérateurs ukrainiens de maintenir le réseau coûte que coûte. Et puis évidemment, il y a une question de savoir si tout simplement les Russes veulent cibler les infrastructures en Ukraine de connectivité. Alors, les hypothèses les plus... Comment dire, répandu, je dirais plutôt non. Alors, pour diverses raisons, simplement la question, c'est de savoir dans quelle mesure telle ou telle raison prévaut. Donc, il y a un besoin pour leur propre communication, ce qui a notamment permis, d'ailleurs, l'espionnage par les forces ukrainiennes de pas mal de communications russes, puisqu'ils utilisent les infrastructures commerciales de l'Ukraine pour des soucis internes aussi à l'armée russe, sur lesquels je ne reviendrai pas. Aussi parce que c'est un outil de renseignement potentiel pour la Russie. Alors là, il y a pas mal aussi, encore une fois, de postulats sur le fait que la Russie connaît très bien l'infrastructure ukrainienne. Alors, comme on pensait aussi que la Russie connaissait très bien l'Ukraine, on est forcé de constater, comme le rappelait Dimitri Iminik, qu'elle s'est quand même trompée. Donc, bon, ça reste aussi un postulat à prendre avec des pincettes. En revanche, la dernière hypothèse me paraît la plus probable, c'est la conservation des infrastructures pour l'après. Qui est assez probable, puisque le contrôle de l'information, qui est quand même une marotte, pour le dire rapidement, de l'armée russe et de la Russie, et du pouvoir russe, est quand même un enjeu extrêmement essentiel, y compris a posteriori, c'est-à-dire post-conquête et pendant l'occupation. Et on a le cas de Mariupol, dont je reviens un petit peu après, il me semble, mais où il y a une destruction totale, quasiment, de l'infrastructure, en tout cas de la connectivité, de la population par destruction des infrastructures d'énergie, en l'occurrence. Et donc, c'est plutôt une destruction involontaire, mais qui a produit, en fait, un vide total d'informations numériques pour les habitants de Mariupol, qui a été remplacé, en fait, par des communications radio russes qui répétaient à l'envi qu'il fallait se rendre, que la Russie avait gagné, que, etc., etc. Et donc, il y a ce contrôle de l'information qui aussi est certainement un des enjeux dans ce domaine des infrastructures. Alors, les infrastructures logiques, c'est un domaine un peu plus complexe et un peu plus technique. Tout simplement, il faut rappeler qu'une fois qu'on a une infrastructure physique, c'est-à-dire qu'on a un câble entre un endroit et un autre par lequel pourraient transiter des données numériques, eh ben, on n'a fait que la moitié du chemin. Il faut que les opérateurs qui sont de chaque côté du câble et même qui maîtrisent le câble passent des accords entre eux. Et ces opérateurs, qui sont donc les fournisseurs d'accès, les fournisseurs de transit, de contenu, donc ça peut être Netflix, Google, les serveurs qui hébergent vos sites web, etc. Il faut que tous ces acteurs s'interconnectent à travers des accords commerciaux qui leur permettent d'inter-échanger des données. Et donc, avec un fonctionnement relativement pyramidal, c'est-à-dire que tout simplement, si vous êtes... je suis idiot, j'ai un schéma pour ça. Si vous êtes un client en bas à droite de n'importe quel fournisseur d'accès à Internet, Orange, SFR ou autre, et que vous voulez vous accéder à un site qui serait alors dans le schéma situé en bas à gauche, c'est-à-dire dans un réseau qui offre du contenu, donc encore une fois Netflix, etc., à un serveur, à un cloud, etc., et bien il y a de fortes chances, en tout cas le modèle standard, c'est que vos données passent par tout un certain nombre d'acteurs qui sont donc votre fournisseur d'accès, donc ISP, c'est le FAI en anglais, et par des fournisseurs de transit qui sont un peu les fournisseurs d'accès des fournisseurs d'accès. C'est des gens qui notamment ont les câbles en général. Et ça, c'est un modèle un peu simplifié, mais voilà, tout ça pour vous montrer que la manière dont s'interconnecte en fait le monde, c'est-à-dire que si vous voulez vous connecter il y a 10 ans, puisque maintenant ça, le modèle a un peu changé, à Facebook, il fallait passer par Orange à Paris, par un détenteur de câbles transatlantiques, puis par sans doute des opérateurs américains jusqu'à la Californie pour atteindre les serveurs de Facebook. Et cet aspect géographique, en fait, il se traduit en termes topologiques de cette manière-là, à travers ce schéma. Et donc l'interconnexion en fait, de ces systèmes autonomes, donc, qui sont encore une fois des acteurs d'Internet, on peut dire opérateurs aussi, c'est souvent plus parlant en général, elle est en partie politique et stratégique. Alors pas qu'elle a un fonctionnement primordialement économique, cette interconnexion, mais quand même, il y a d'autres considérations qui sont prises en compte par les acteurs eux-mêmes. Donc d'abord par l'administration interne du système autonome, donc de l'AS, qu'on connaît mal, qui est difficile à connaître parce qu'en fait, il faut tout simplement aller voir directement des acteurs et leur demander leur politique
commercial et économique, ce qui en général relève du secret, et le choix des voisinages, en revanche, c'est-à-dire, est-ce que si je suis à Paris et que je veux me connecter à des ressources américaines en passant par un câble transatlantique, quel fournisseur je vais choisir pour passer à travers ça ? De la même manière, pour là on parle du cas français, mais pour plein d'autres pays, les questions sont beaucoup plus prégnantes, et donc on va le voir justement sur l'Ukraine. Et donc, un système autonome, c'est en partie territorialisé. C'est-à-dire que si vous avez un fournisseur d'accès, par exemple, il y en a un en France, qui s'appelle Moselle Télécom, donc qui couvre une région relativement peu vaste du territoire français, mais qui, pour le coup, est territorialisé. Tous les ordinateurs qui sont connectés directement à Moselle Télécom forment le système autonome de Moselle Télécom, et on peut le cartographier dans la mesure où on a des données, bien sûr, ce qui est en général compliqué pour nous chercheurs dans ce domaine-là, en tout cas. Et donc, pour revenir au réseau ukrainien, voilà, on peut représenter le réseau ukrainien à travers une vision donc purement topologique, géographisée, c'est-à-dire après on ajoute des données à travers un travail d'OSINT, en fait, tout simplement, d'Open Source Intelligence. Et on observe donc en 2000, alors là c'était 2018, un réseau russe interconnecté en bleu, à travers alors pas mal de fournisseurs occidentaux qui en général fournissent l'accès vers l'extérieur ou pour différents réseaux ukrainiens et à travers certains fournisseurs russes qui sont des fournisseurs majeurs, Rostelecom et Fjord, si je me rappelle bien. C'est une version un peu simplifiée du graphe. Et donc voilà, on a un réseau assez résilient, c'est un des marchés les moins concentrés du monde, donc c'est aussi comme pour ça que je parlais de résilience tout à l'heure. Mais si on regarde un peu, on voit effectivement des réseaux de Crimée et du Donbass qui semblent un peu séparés du reste du réseau. Et c'est tout simplement parce que l'appropriation territoriale du Donbass et de la Crimée est passée notamment pour la Russie par l'appropriation en fait ou la création d'une dépendance infrastructurelle logique des réseaux du Donbass et de Crimée à la Russie. Pour le dire beaucoup plus simplement, si quelqu'un du Donbass, alors ça change assez souvent, mais à cette époque-là, mettons, si quelqu'un du Donbass veut se connecter à n'importe quelle ressource Internet dans le monde, il est obligé de passer par la Russie. Idem en Crimée. En Crimée, c'est toujours le cas. C'est toujours absolument fermé à l'Ukraine. Et c'est pour ça qu'on parle d'une dépendance infrastructurelle logique et pas physique, puisqu'il existe encore des câbles qui traversent la frontière, alors la frontière de l'État de facto, des États de facto, je parle près 2022, des républiques de Donetsk et Lugansk, mais ces câbles ne sont pas utilisés, donc la dépendance est purement logique, et la puissance topologique russe dans ces territoires qui sont de droit ukrainien passe aussi par cette dépendance et cette infrastructure logique. Et si on regarde un tout petit peu rapidement la situation en 2013 qu'on voit à gauche, on voit très bien que les acteurs du Donbass qu'on voit donc à Donetsk, à Kharkov, à Lugansk, Lugansk, Donetsk, etc., qu'on observe ici, qui sont en gras, et bien on voit qu'ils sont totalement intégrés au réseau ukrainien et que ces mêmes acteurs à droite, donc en 2018, vont être complètement séparés, ou presque, du réseau ukrainien. Et séparés à tel point que, à un moment, les acteurs les populations du Donbass, pour passer en Russie même, devaient passer par la Crimée. Encore une fois, topologiquement, infrastructurellement, c'était une autre question. Mais voilà, on a ce genre de dépendance qui se crée et qu'il faut observer, en fait, de manière extrêmement fine, c'est assez long, mais on observe, en fait, ce genre de dynamique, et on observe dans d'autres cas, d'ailleurs, on l'observe un peu au Kurdistan, avec des dépendances diverses et variées, on l'observe en Afrique, notamment, etc., etc. Et en fait, ce qu'on a retrouvé en 2022, et ce que, personnellement, je ne m'attendais pas nécessairement à retrouver, puisque en 2018, depuis 2014, et 2015 surtout, ces processus de déploiement de puissance topologique par le réseau de la Russie a pris un certain temps. Et en plus de ça, ce n'était pas du tout le résultat unique des politiques russes. C'est aussi le résultat des politiques ukrainiennes elles-mêmes qui, en imposant des sanctions aux opérateurs qui travaillaient dans le Donbass, a créé elle-même en fait sa perte de contrôle du réseau dans le Donbass et en Crimée en partie. Mais ce qu'on a vu, c'est que plus récemment, la Russie a fait exactement la même chose, mais alors de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus évidente dans les territoires de l'Est et du Sud, donc notamment à Kherson et à Mélitopol.
à Kherson, où en avril, les Russes ont, tout début mai, les Russes sont arrivés dans les bureaux de Kherson Telecom, qui est un orange très très local, disons, pour dire maintenant vous vous connectez à travers Miranda Media, qui est lui-même le fournisseur de la Crimée. Donc Miranda Media devient d'ailleurs un acteur assez fondamental qu'il va falloir observer pour nous d'assez près. Et ils l'ont refait en fait il y a quelques jours, puisque pendant quelques jours, effectivement, Kherson Telecom était connecté via la Russie. Ils sont repassés par l'Ukraine et là, ils reviennent de repasser par la Russie. Donc c'est quand même une tentative assez évidente des forces russes de venir en fait chercher une dépendance, de créer une dépendance des réseaux ukrainiens. Et c'est pour ça que ça participe à valider pour moi l'hypothèse que le contrôle de l'infrastructure et de l'information dans les zones occupées ou les zones conquises, selon comment on le voit, en Ukraine, est en fait au cœur aussi des stratégies russes. Voilà, j'ai aussi mis le témoignage du maire de Mélitopol, puisque c'est un autre cas qu'on a observé. Et il est assez probable qu'il y ait un certain nombre de cas qu'on ne puisse pas observer encore, tout simplement puisqu'on ne les a pas vus. En tout cas, parce que justement, l'information ne sort pas. Notamment parce qu'il faut aussi que les politiques locales aient un intérêt à le faire sortir d'une part, et en plus de ça, ils voient l'intérêt stratégique de ce genre d'opération, ce qui n'est pas non plus une donnée évidente. Voilà. Bon, je ne suis pas sûr que j'aurai le temps de passer par les cyberattaques, j'en suis désolé, mais on pourra en parler éventuellement après. Donc là, je reviens quand même sur en fait, les conséquences d'une telle dépendance, c'est-à-dire une fois qu'on dit qu'on est dépendant, on pourrait parfaitement parler d'autres dépendances, dans d'autres pays qui posent a priori pas de problème. On connaît tous les enjeux de souveraineté du numérique, et notamment en France, et les inquiétudes qu'on a vis-à-vis de la dépendance aux États-Unis et qui se confirment en partie en termes de routage. Et donc, quelles sont les conséquences de ça? Et bien, il y a évidemment la Russie peut filtrer à la fois les communications qui sortent et qui vont dans les zones où elle dispose de cette puissance, de cette dépendance. Elle peut bloquer éventuellement toutes les informations à un moment T. Et il peut aussi y avoir des moyens de pression hors conflit, c'est-à-dire au Kirghizistan, qui est un exemple tout à fait différent, mais qui est assez parlant, toute la connectivité passe par le Kazakhstan et la Russie. Il n'y a aucun autre moyen d'accéder à Internet. Et les Kirghizes le reconnaissent et tout simplement n'ont pas les moyens de faire autrement. Cette organisation d'Internet peut permettre l'espionnage des données qui sortent et qui rentrent aussi dans ces territoires, y compris chiffrés. Là, on sort de mon domaine totalement de compétences, mais visiblement, il est tout à fait possible de déchiffrer des données qui passent à travers ces réseaux-là. Et donc, je parle d'appropriation territoriale tout simplement parce que, de facto, on fait rentrer ces territoires dans le projet de Runet souverain, alors qu'il y a toutes les difficultés du monde à advenir, et on les connaît relativement bien, pour en parler le cas échéant aussi. Mais de fait, la censure des plateformes s'applique déjà, en fait. À Mélitopol, par exemple, l'accès à Facebook n'est plus assuré comme avant. Quand on connaît l'importance de réseaux comme Facebook ou WhatsApp ou Instagram en Ukraine, en fait, c'est un service absolument essentiel à la vie en général, notamment à la vie économique, mais aussi aux intercommunications. Et donc, il y a quand même beaucoup d'enjeux qui se posent. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne veux pas parler trop longtemps, mais il y a au moins deux questions qui viennent. C'est est-ce que ça c'est complètement empirique, ou est-ce que ça s'inscrit dans une stratégie complètement pensée en Russie? Et la question qui est liée, c'est est-ce que les acteurs qui opèrent ces créations d'une dépendance, comme vous l'avez dit, est-ce qu'ils agissent de manière autonome? Est-ce que c'est piloté par le pouvoir central, etc. Voilà. Et donc on va finir cette table ronde avec donc une intervention sur le renseignement de Benjamin Audet. Tu restes ici? Oui, je vais. Ok. Il me semble que le micro fonctionne. Oui, oui. C'est bon? Bon, je vais le faire ici. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup à l'IRSEM et au domaine renseignement, anticipation, menace hybride, à évidemment Paul, Maxime et Marco Barou, qui n'a pas encore été mentionné, mais qui s'est occupé de nos biodata. Alors, je suis très, très heureux d'être à l'opposé complet du colonel Devine, dans la mesure où je vais parler d'une chose que je ne vis pas, en assumant complètement ma position de chercheur, c'est-à-dire
de manipuler les concepts pour le plaisir, mais en faisant quand même l'hypothèse que parfois la clarification de quelques concepts peut être utile pour l'action publique et surtout le sentiment depuis tout à l'heure que la validité du concept de menace hybride, en tout cas de l'hybridité en soi, est questionnée dans sa capacité à produire des découpages d'action publique, mais surtout à redéfinir nos propres découpages d'action publique. Et la question a été évoquée plusieurs fois. À la fin, on arrive à la question de la coordination, qu'elle soit interservices ou interministérielle. Bon. Donc la question n'est pas tant de savoir si les services de renseignement ont quelque chose à dire en termes d'analyse ou à faire pour contrer, gérer, entraver ces formes de conflictualité, ces menaces hybrides. Je crois que le fait est établi, il a déjà été mentionné, mais plutôt de savoir comment ils s'adaptent. Et là, je vais commencer par être très décevant. Dans la mesure où je suis un outsider, je n'appartiens pas à la communauté du renseignement et que je n'ai pas ni le droit d'en connaître ni le niveau d'habilitation suffisant, eh bien, je ne saurais répondre à cette question. Nous toucherons donc, en tout cas depuis ma position, aux limites de ce qui peut être connaissable. Ce que nous pouvons savoir, d'abord, c'est faire une différence entre l'offensif et le défensif. S'il est possible de documenter, et c'est démontré depuis tout à l'heure, les stratégies offensives des États extra-occidentaux, il est beaucoup plus difficile de documenter les stratégies offensives des États occidentaux. Mais il est possible de documenter les adaptations ou les stratégies défensives des États occidentaux. Donc il y a quand même un angle mort que nous ne connaissons pas. Ce sont les stratégies offensives des États occidentaux dans les différents domaines qui ont été évoqués depuis tout à l'heure, notamment dans le domaine cyber ou dans les autres champs que l'on regroupe sous le terme de menaces stratégiques. Bon. Quoi qu'il en soit, on voit bien, le renseignement a bien quelque chose à voir avec la guerre psychologique, la propagande, la désinformation, les cyberattaques, le lawfare, maintenant qui est regroupé comme étant une sous-catégorie des menaces hybrides, mais aussi des théories de la conspiration, des covert action et de la réécriture d'histoire, de l'histoire qui devient désormais aussi un outil d'action hybride dans ces domaines qu'on décrit comme gris. Cette liste des Toolbox of Hybrid Measures, je la reprends d'un séminaire qui a eu lieu l'année dernière, d'un séminaire commun qui a été organisé par le Collège européen du renseignement, qui est une entité assez récente, et l'International Security Institute of the Estonian Academy of Security Science, qui a regroupé toutes ces catégories d'actions sous le terme de menaces hybrides. Bon. Donc l'enjeu est de savoir comment les services de renseignement s'adaptent, et là je vois trois problèmes pour répondre à la question. Le premier, c'est que par-delà les enjeux opérationnels, les enjeux techniques qui ont été particulièrement bien exposés par Louis Pétignot, il semble quand même qu'à la fin, toutes ces actions puissent être ramenées à quelques principes simples d'action des services de renseignement. Donner une anecdote, il y a quelques années, au cours de la conférence de l'International Studies Association qui s'était tenue à Toronto, lors d'un panel, c'est une association internationale qui réunit tous les ans plus de 6000 chercheurs, et lors d'un panel qui réunissait un représentant de la CIA, du GCHQ et de la NSA, la représentante de la NSA a dit, par-delà toutes les questions techniques et opérationnelles, il se passe deux choses dans le cyberespace, les États s'espionnent et font du sabotage. C'est-à-dire qu'ils volent de l'information ou qu'ils essaient de disrupter, de détruire, d'entraver les systèmes adverses. De la même manière, ce qu'on peut observer aussi, c'est que par-delà les enjeux dont traite le renseignement, il y a aussi une forme de permanence dans sa vocation, dans son orientation, qui est celle de mesurer, d'analyser les capacités, les intentions d'un acteur. Que cet acteur, il soit un ennemi, parfois un partenaire, un coopérant, qu'il soit un acteur étatique ou non étatique, peu importe, que cet acteur, à un moment donné, soit considéré comme un acteur important pour la compréhension d'un phénomène de conflictualité. La stratégie nationale du renseignement publiée par la Coordination nationale du renseignement en 2019, alors ce n'est pas un document opérationnel, mais c'est de l'extérieur le seul document dont nous disposons pour étudier un petit peu ces choses, même si je sais bien que ce document a vocation à orienter la communauté du renseignement, mais qu'il est décliné dans les différents services de manière très opérationnelle, nous dit le renseignement doit s'appliquer à recueillir les éléments permettant de préserver nos acquis et de développer nos connaissances dans les domaines stratégiques. C'est le cas dans le domaine militaire, où même si la France n'est pas confrontée à une menace étatique directe et explicite, c'est un document qui date d'il y a 3 ans,
Nos engagements internationaux, la résurgence de politiques de puissance militaire de la part de nombreux États et l'émergence de menaces hybrides imposent que nous entretenions une capacité autonome d'évaluation des arsenaux et des capacités des autres États. Bon, cette évocation de l'hybridité, elle est intéressante, mais à la fin, sur quoi retombe-t-on comme mission principale assignée au renseignement d'évaluer les arsenaux et les capacités des autres États. Si bien que les défis pour les services de renseignement, je pense, ne viennent pas tant d'une transformation radicale et soudaine de leurs capacités en termes humains, même si ça pose des enjeux, en termes techniques et technologiques, mais c'est surtout un changement radical du contexte, ça a été démontré au cours du colloque, une transformation radicale du contexte et surtout de l'environnement dans lequel les hommes politiques le convoquent. C'est-à-dire que la question, au fond, n'est plus tant ce qui fait la spécificité du renseignement comme organisation ni comme pratique, mais surtout comme forme de connaissance. Et là, le contexte joue très fort. Notre collègue éminent stratégiste Olivier Schmitt, directeur des études de l'IHEDN, décrit bien ce contexte de doute systématique, de crise de l'épistémologie, précisément de la fin de la distinction claire entre les faits et les valeurs, entre les narratifs et la réalité. Ces distinctions qui étaient pour nous structurantes, si bien que nous passerions dans une ère décrite comme post-factuelle, et je reprends ici les termes de Myriam Revaud-Allonne, qui nous dit que les faits ne sont plus les éléments régulateurs du discours politique. La question nouvelle est donc celle, ça a été évoqué tout à l'heure, de la réceptivité des individus aux manipulations de l'information. Et dans ce contexte-là, la question nouvelle pour les services de renseignement est celle de leur crédibilité comme institution, porteur d'un certain rapport aux faits et à la réalité du monde sur lequel les hommes politiques agissent. Par conséquent, c'est une proposition, je fais la définition du renseignement, parce qu'au fond, c'est de ça dont il s'agit. La définition du renseignement connaît à la fois une extension interne et un retour à son ambition initiale, à tout le moins sur le plan théorique. Extension interne, car la distinction entre l'information ouverte et l'information fermée tend à être relativisée. Mais retour à l'ambition initiale, car quel que soit le volume d'informations à traiter, à la fin, la question pour les services de renseignement est bien de produire une analyse utile à la décision. Si bien que nous sommes, et la question des menaces hybrides ou la question de l'hybridité de ces zones grises le montre bien, nous sommes dans une sorte de paradoxe existentiel pour les services de renseignement, parce qu'au moment précis où ces services sont contestés dans leur spécificité, dès lors qu'un État est capable d'établir une situation stratégique, d'avoir une connaissance suffisante de ce qui se passe sur un théâtre d'opération à partir de sources ouvertes, il faudra quand même être capable de justifier l'existence de services de renseignement. Donc paradoxe existentiel, parce que dans la mesure où cette spécificité est contestée, il s'en trouve restauré, et là, toute notre action publique, en tout cas la formulation d'une politique publique en France, qui est quasiment la seule politique publique qui voit ses moyens augmenter, à la fois humains et budgétaires, depuis une quinzaine d'années, on voit bien qu'il est restauré comme un élément toujours plus central au cœur des politiques de défense et de sécurité. Au point aujourd'hui, on l'a vu il y a quelques mois, que l'outil est tellement central que quand l'outil n'est plus fonctionnel, visiblement, le président est une difficulté pour prendre une décision ou à tout le moins évaluer correctement les intentions d'un acteur. Bon. Dernier point qui me paraît important de souligner, c'est la relation entre le renseignement, l'hybridité et l'incertitude. Il n'est pas anodin que le renseignement devienne à ce point central dans les doctrines de défense et sécurité au moment même où le premier registre de description des réalités internationales soit le domaine de l'incertitude. Ça, c'est très clair. Ça apparaît sous le thème de l'imprévisibilité dans le livre blanc de 1994. Et depuis 2008, tous les livres blancs placent l'incertitude comme la donnée fondamentale. C'est-à-dire que les éléments de la sécurité ne manquent pas d'être identifiés, mais ce qui pose problème, c'est leur articulation nouvelle, précisément dans des formes qu'on va dire hybrides. Donc ce discours de l'hybridité, il vient se superposer ou se mettre à gauche, à droite, quelque part, en relation avec le discours de l'incertitude. Et c'est précisément pour ça qu'il me paraît y avoir une relation triangulaire très forte entre les trois. C'est que précisément, le renseignement devient à ce point central au moment où les grands textes de doctrine stratégique occidentaux disent sur le fond, et les comptes rendus de préparation des livres blancs de 2008 et 2013 et les actualisations stratégiques de 2017 sont très clairs là-dessus, au fond, nous ne savons plus ce que nous avons à savoir.
la réponse fonctionnelle de l'État dans ce contexte, c'est de dire qu'il faut faire un effort de connaissance, mais que sur le fond, nous ne savons plus ce que nous avons à savoir. Le discours de l'hybridité qui prolonge ce constat-là est intéressant. Pourquoi ne savons-nous plus ce que nous avons à savoir? C'est aussi une porte ouverte, mais que là j'enfonce, parce que l'université, on enfonce quand même les portes quand elles demeurent ouvertes, et surtout fermées parfois. C'est que toutes les distinctions qui instituaient nos différentes catégories d'action publique, l'intérieur, l'extérieur, le civil, le militaire, la sécurité, la défense, le privé, le public, le visible et l'invisible. Au fond, s'il y a un brouillage dont parlait Pierre Hassner et s'il y a une incertitude, c'est que nous ne reconnaissons plus ces distinctions qui fondaient notre action publique. J'arrive à cette question, est-ce que l'hybridité est seulement un discours ou est-ce qu'il peut produire des vrais effets de transformation sur les services de renseignement? Et deuxième question, au fond, est-ce que quand nous évoquons l'hybridité, nous ne parlons pas plus de nous-mêmes que des acteurs que nous avons en face de nous? C'est-à-dire que l'acteur n'arrive pas un matin en disant « je suis un acteur hybride parce que je vais agir dans différents champs ». Il agit bien dans différents champs, mais nous le considérons comme hybride parce que précisément, ses actions dans ces différents champs ne recoupent pas nos propres découpages institués de l'action publique. Bon, je laisse la question ouverte, mais bon, c'est vraiment une interrogation que je me pose. Est-ce qu'au fond, l'hybridité ne parle pas plus de nous-mêmes que des acteurs que nous avons en face de nous? Bon. Face à ce constat sur l'interrogation sur la validité ou non du concept d'hybridité, que font les États et que font les organisations internationales? Bon, d'abord, ça ne les empêche pas d'y réfléchir. Bon, ça a été démontré depuis tout à l'heure, un certain nombre de doctrines, de définitions qui ont été proposées. Il y a des formes de spécialisation fonctionnelle et organique qui sont produites dans les organisations internationales et dans les États. L'Intelligence Center du service extérieur européen a créé une section après la Crimée, justement, en 2017, a créé une section spéciale d'analyse sur les questions hybrides. Bon, mais comme tout bon service de renseignement, même si ce n'est pas stricto sensu, un service dit secret, nous ne savons pas exactement ce que l'INSEN entend par menace hybride. De la même manière, l'OTAN, au sein de sa division civilo-militaire, a créé une section spéciale de compréhension, d'analyse des menaces hybrides. Le Collège européen, je l'ai dit tout à l'heure, y réfléchit de manière assez intense l'année dernière dans un séminaire commun. Et de la même manière, la DRM organise régulièrement des séminaires sur les menaces hybrides. Bon. Donc il y a une forme de réflexion institutionnelle et surtout des innovations organisationnelles qui se produisent. Je m'arrête 30 secondes sur le cas de la DRM qui fête également ses 30 ans cette année. Ce discours de l'hybridité, il a été beaucoup porté. Maintenant, une question de recherche que je me pose, et je ne suis pas encore capable de la documenter, donc je serais très heureux si on pouvait en savoir plus, comme tu disais, Paul, tout à l'heure. Ce discours de l'hybridité, il a été porté par un certain nombre d'officiels de la DRM. Maintenant, une question de recherche, c'est de savoir si ce discours a vraiment produit des effets de réel et des effets de transformation. C'est-à-dire qu'il y a ce discours. Oui, bien sûr, nous nous adaptons aux menaces hybrides. Maintenant, est-ce que la transformation que nous voyons de la DRM aujourd'hui, du passage d'une logique thématique contre terreau, contre prolifération, menace étatique, et d'une logique géographique, bon, PMO et le reste, à une logique de plateau, c'est-à-dire où on vient faire fusionner les orientations, la collecte, les analystes, on vient faire fusionner du multicapteur, on vient faire fusionner du thématique et du géographique. Est-ce que cette transformation est vraiment liée ou pas à la question de l'hybridité telle qu'elle a été portée, en tout cas telle que le discours public de la DRM l'a portée, c'est une question que je laisse ouverte. Bon. Maintenant, quelques réponses parmi d'autres. Il en a été fait mention précédemment. Le premier point, il n'est pas là, mais c'est vraiment des pistes d'ouverture et de discussion, la coordination. La coordination. Au sein des services de la communauté du renseignement, enfin, ce qu'on désigne maintenant comme les services de la communauté du renseignement, bon, je ne les cite pas, ils sont connus. Bon, la question de la coordination, elle est centrale dans la mesure où, d'un point de vue strict de logique d'action publique, rien n'imposait, il n'y avait aucune nécessité historique à ce que se constitue une communauté du renseignement. On aurait très bien pu continuer de fonctionner comme c'était le cas avant, c'est-à-dire les services du renseignement militaire qui fonctionnaient pour l'armée,
La même chose pour la DGSE, la même chose pour la DST et les RG. Il n'y avait aucune nécessité historique. Chacun des services aurait pu continuer à fonctionner en silo au bénéfice de sa sous-direction préfectorale, de son cabinet de ministre ou du président directement dans le cadre de la DGSE. Bon. Il y a désormais ce nouveau référentiel communautaire qui se déploie, qui là est plus qu'un discours parce qu'il produit des vrais effets de réel. Reste bon, la question de l'évaluation de la mesure réelle de l'impact de la création de la Coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme est une question qui demeure ouverte, mais visiblement, en tout cas, ce que j'ai observé dans ma propre thèse, c'est que cette innovation institutionnelle, remontée du niveau primo-ministériel jusqu'au niveau présidentiel, produit de vrais effets institutionnels, en tout cas, produit un point d'unification de la communauté. La communauté existerait-elle tout de même sans ce point d'unification de la coordination ? Bon. Donc il y a cette premier enjeu. En soi, la communauté du renseignement est déjà une forme de réponse organique et fonctionnelle de l'État au caractère hybride. En 2008, rien ne justifie que TRACFIN fasse partie de la communauté du renseignement. Si TRACFIN fait partie de la communauté du renseignement, c'est bien parce qu'on dit... Bon, c'est un sous-amendement d'un député qui, à la fin, finit par produire cet effet, mais l'argument intellectuel a été... Bon, nous avons donc des acteurs qui agissent dans différents plans. Si nous voulons pouvoir les contrer, eh bien, il nous faut à la fois agir sur le terrain policier, sur le terrain diplomatique et sur le terrain financier. Deuxième point, je vais très vite dessus, je développe pas la technologie. Bon, là, ça a été démontré. Je suis absolument fasciné par les nuages de points que vous êtes capable de produire. Enfin, là, c'est du renseignement en soi. Ce que vous avez fait, c'est du renseignement. Bon, développement des nouveaux outils. Rapport, évidemment, avec... le privé. Y a-t-il aujourd'hui le développement d'une base industrielle de technologie de renseignement ? C'est le cas aux États-Unis, ça peut devenir le cas en France. Troisième point qui me paraît fondamental, la question des recrutements. Parce que précisément, par-delà la question technologique, je pose simplement la question, y a-t-il des politiques RH ? Je ne parle pas de gestion de personnel et de l'existence de services de ressources humaines, je parle de politiques RH qui soient liées d'un côté aux orientations politiques qui sont données à la communauté du renseignement et d'un autre côté à l'analyse des menaces. Je pose simplement la question. Mon intuition est que oui, peut-être. Mon sentiment, c'est que voilà, depuis 2008 où la coordination est créée, il y a une réflexion permanente sur les politiques RH. Donc un jour, on arrivera bien à ce que la chose s'institutionnalise. Ce qu'on voit très clairement, c'est qu'il y a une transformation des formations. Les IEP investissent dans les formations spécialisées renseignement, les universités aussi. Et surtout, il y a une transformation des maquettes de cours, précisément pour, j'aime pas bien le terme, mais faire un produit fini, l'étudiant qui sera recruté, qui soit capable, en tout cas d'une forme de versatilité, qui lui permette de traiter les menaces conventionnelles hard, le régalien dur, et de traiter les autres enjeux des services. Je conclue. Merci. 30 secondes. Donc, conclusion, je dirais que la notion d'hybridité est sans doute utile comme discours qui servent à regrouper sous un même terme ces phénomènes de conflictualité qui échappaient jusqu'à présent à nos propres découpages institués de l'action publique. En tant que principe d'action et d'adaptation pour les services, il me paraît pourtant très problématique, dans la mesure où il doit bien être décliné pour les services, dans des phénomènes qui soient concrets, observables et peut-être gérables. Et cette déclinaison est au principe même de l'action publique. Si bien que la réponse donnée à un instant T comme adaptation aux acteurs dits hybrides n'est que le dépassement temporaire et toujours renégocié de cette tension. Pour être efficace, les services de renseignement tendent à se différencier et à se spécialiser, alors que la mise en œuvre d'une réponse globale implique la mise en œuvre de politiques de coordination, qu'on soit sur le terrain de l'interministériel ou sur le terrain de l'interservice. Je vous remercie. Merci Benjamin. Une toute petite interrogation, mais qui serait valable aussi pour les autres interventions. Est-ce que finalement, quelque part, à force de... qu'on essaye de penser forcément la nouveauté, l'hybridité dans ce qu'elle a de nouveau, est-ce qu'on passe pas à côté d'une réflexion nécessaire et sans doute beaucoup plus heuristique sur ce que le passé pourrait nous enseigner de ce à quoi nous affrontons aujourd'hui. Et je pense notamment à la guerre froide. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'opérations menées par des acteurs, étatiques ou non étatiques,
qui ressemblent étrangement à des opérations menées pendant l'Union soviétique, pendant la guerre froide, pardon. Et du coup, l'enjeu, est-ce que c'est pas finalement, oui, d'être capable de saisir ce surgissement du nouveau, mais aussi de penser le retour du même. Voilà. Donc je laisse la parole tout de suite à la salle pour prendre quelques questions. Amélie. Ah, c'est bon. Merci beaucoup. Alexis Koumetat. Je prolonge ma question de tout à l'heure sur les entreprises, qui me semble être un sujet peu exploré, en tout cas sur le domaine français. Et on a parlé de la guerre de l'information, tout à l'heure on parlait du contenu, il y a eu Starlink, enfin il y a des choses quand même intéressantes. On a les actions au profit des forces. Je sais pas, il y a 10 ans, nous on jouait avec des drones parottes pour se repérer sur le terrain. Bon, des petites, mais ça c'est autre chose. Il y a par exemple l'impact que peuvent avoir les entreprises quand elles ouvrent ou ferment une activité dans un pays, que ce soit le nôtre ou un autre, à la fois en termes de perception et en termes de robustesse ou de résilience. Et là, mon cousin, je vais dire, il y a 30 ans, et alors là, les jeunes chercheurs dans la salle vont dire, putain, c'est des trucs de vieux cons, ça. Mais le général Salin, quand il a monté le COS, a fait le tour des entreprises. Il y a 30 ans, il y avait une guerre en Europe, déjà. Parce qu'on se dit, c'est la première guerre en Europe. Non, il y avait une guerre en Europe il y a 30 ans. Et il est venu voir les entreprises, en particulier les réservistes, parce qu'à l'époque, il y en avait un paquet. Et en particulier, parce que ces réservistes... Il y en a encore, mais ils sont différents à l'époque. Les gars qui avaient 50 ans étaient à la tête des entreprises. Ils étaient décideurs. Et ils venaient les chercher pour leur caractère, non pas de soutien aux forces pour pouvoir remplacer et soutenir, mais en tant qu'acteur hybride, en tant que chef d'entreprise. Et en particulier, parce que ce n'était pas la guerre de l'information, c'était les acteurs du BTP, du génie civil, en disant qu'est-ce que vous pouvez faire sur le terrain yougoslave avec votre entreprise. Et donc ces histoires-là, c'est devenu le GACM, maintenant c'est des actions d'environnement au profit des forces, et donc on est revenu sur le cœur de l'action militaire, mais ce qu'on a oublié, ce qu'on peut faire en termes d'action hybride, parce que je ne sais pas si la guerre est totale, mais en tout cas, l'action hybride, elle est toujours totale. Donc voilà, c'est une question de... Je pense qu'il y a un champ pour nos jeunes chercheurs sur ces sujets-là. Ma question sera plutôt pour le colonel Bansept. Vous avez cité tout un fourmillement de possibilités d'action des opérations spéciales, des forces spéciales, pardon. Ma question est, à quel moment commence l'hybridité? Je veux dire, par là, est-ce qu'il y a une réflexion un petit peu conceptuelle, structuré, conceptuel, sur la définition d'une action conventionnelle, commando, spéciale, clandestine? Je me rappelle d'un rapport du Sénat de 2013, je crois, qui posait la question justement de la place des forces spéciales entre les commandos parachutistes et les services action, sans y répondre. Est-ce qu'on a avancé depuis là-dessus? Une troisième question, peut-être? Oui, moi aussi, je reviens sur mes vieilles obsessions. Et la question, elle est pour le colonel Devigne. Je n'ai pas le moindre doute sur la sincérité de vos propos et sur la question selon laquelle le principe selon lequel la vérité est au cœur de la communication de l'armée française. Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent de parler d'un but, d'une asymptote, d'un projet, d'un objectif? Je suis journaliste, j'ai été confronté plusieurs fois à des éléments concrets de mensonges de l'armée française. Ça arrive. Parfois, l'armée française ment, y compris, si je puis me permettre, au plus haut niveau. Ça arrive. Donc, est-ce que, par exemple, juste un exemple, pas un exemple précis, mais un exemple sur quelques années, depuis combien de temps, sans doute des décennies, l'armée française n'a pas reconnu une bavure? Or, la guerre est difficile, la guerre est sale. Quand les Américains font une opération sur l'État islamique, ils tuent une famille. Ils le reconnaissent en 48 heures, si je puis me permettre, sujet réglé. La presse fait son boulot, ils écrivent, ils indemnisent la famille, on n'en parle plus. L'armée française ne fait jamais de bavure. En fait, si. Donc, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que ce que vous défendez est aussi un objectif à long terme et que l'armée française a besoin elle-même de changer un certain nombre de pratiques et de cultures pour y parvenir complètement? Je vous remercie. Merci. Je demande aux intervenants d'essayer de faire des réponses courtes pour qu'on puisse reprendre peut-être une série de questions après. Qui veut commencer? Je veux répondre. Sur les entreprises, moi j'ai juste une réponse. C'est qui s'en occupe?
sur les entreprises, je suis d'accord. Qui s'en occupe? C'est le rôle de qui d'aller voir les entreprises et de les mobiliser? Est-ce que c'est le rôle du chef d'état-major des armées? Est-ce que c'est le rôle du ministère de l'Industrie? Moi, je vous retourne la question. En fait, c'est ça. Vous avez raison. Et ça rejoint la question de monsieur tout à l'heure sur la résilience. C'est tout ce que vous dites sur ce qu'on pourrait faire, ce qui serait utile. Moi, je vous demande, qui fait? Voilà. Je pense qu'il faut répondre aussi à cette question. Il faut interpeller les aussi du monde sur et vous, que faites-vous? Je parle pas de vous. Hein. Voilà. Vous pouvez répondre sur l'autre question si vous voulez. Ah, sur la question des bavures. Alors. Non, du mensonge. Ouais. La dernière fois qu'on a fait il y a eu des morts. J'étais là et on a communiqué. On a communiqué. Je crois pas que je pour être près de la communication du CEMA, le CEMA ne cherche pas à cacher les choses. En revanche, je vais vous donner un exemple qui est intéressant. Bounty, on a communiqué au bout de 4 jours. On nous a dit, vous avez communiqué trop tard, vous ne nous l'avez pas dit. Gossi, on a communiqué le lendemain. On nous a dit, vous avez communiqué trop tôt, ça veut dire que c'est vous qui l'avez monté. Et donc, le problème, c'est quand est-ce qu'on communique? Au bout de 6 heures, au bout de 8 heures? Et le problème pour nous, c'est que quand on va dire quelque chose à la ministre, qui va le dire au président, il faut qu'on soit certain que ce qu'on a dit est vrai. Et quand on communique trop tôt sur quelque chose qui s'est passé au fin fond du Mali, eh bien, avant de dire au président c'est vrai, on vérifie et on contre-vérifie. Donc ça prend du temps et on n'est pas dans le temps de l'information. Et donc pendant ce temps-là, les gens interprètent. Ça c'est pour dire le décalage que l'on a et qui est difficile. Maintenant, vous avez raison. Personne n'est parfait. C'est pas moi qui vais dire que je détiens. Enfin voilà que. Et je pense qu'il est arrivé et qu'il arrivera que dans des situations où, à un moment ou à un autre, il faut décider vite et on interprète mal, on veuille pas cacher, mais ne pas le dire tout de suite, pour des raisons que je ne connais pas. Mais ça, c'est souvent pour des raisons de sécurité opérationnelle. Exemple très bête. Quand on perd 2 soldats, vous le savez au bout de... Ah, vous le savez, au bout de 6 heures, 8 heures, 10 heures. Pourquoi est-ce qu'on vous le dit au bout de 10 heures? Parce qu'on ne voudrait pas que la famille la prenne sur BFM TV. Donc avant, il faut prévenir la famille. Et quand la famille n'est pas chez elle, il faut aller la chercher. Donc tout ça fait qu'on n'est pas dans le tempo. Et donc parfois, on dit des demi-vérités. Et voilà. Mais vous avez raison, la vérité n'est pas un absolu, c'est un objectif, je suis d'accord avec vous. Là, je laisse les fesses parler. On ne vous a pas menti. Il y a des sources au sein de l'armée qui nous disent le contraire. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et ouais. La communication dans l'armée, c'est quelque chose qui est, comme le reste de l'armée, assez discipliné. Ceux qui doivent parler, parlent. Voilà. Les autres sont des tuyaux crevés. Voilà. L'homme étant un homme, parfois, il aime bien dire des choses pour aussi... Voilà. Mais oui. Non, mais encore une fois, on est nombreux. Parfois, il y a des erreurs. Et ça, je suis le premier à l'accepter. Si ça marche, sinon je prends celui-ci. Oui, sur les entreprises, même si on est en France, je tiens quand même à rappeler que les entreprises représentent des intérêts privés. Voilà. Et parfois multinationaux, enfin même souvent d'ailleurs, quand elles ont des bras de levier suffisants. Donc il y a quand même un vrai sujet sur la courroie de transmission entre un intérêt, une politique publique, un intérêt d'une entreprise. Et celle-ci, et donc les intérêts qu'elle représente. Et je pense que ça, c'est une vraie fragilité dans la courroie de transmission. On n'en est plus à l'époque des arsenaux. Mais néanmoins, la question est très clairement posée. Je pense qu'elle est très pertinente quand on voit comment d'autres puissances et d'autres alliés arrivent à raser une ville, et le lendemain, la poussière étant à peine retombée, sont déjà là pour reconstruire la ville. Donc ça, on ne sait effectivement pas le faire. Je crois que on loupe sans doute une opportunité.
Maintenant, en termes de contexte, et je crois que la recherche est aussi posée, enfin aussi ce type de sujet, je crois qu'il y a aussi, et c'est particulièrement vrai pour le coup pour notre pays, et c'est pour ça que je le disais aussi tout à l'heure, je crois que se développe une forme d'aversion au risque qui est aussi extrêmement nocive à ce type de politique. C'est-à-dire dire, bah, demain, on va aller en Syrie reconstruire Raqqa, aller chez Bouygues, je ne vous parle même pas d'autres marchands de béton, c'est un peu compliqué quand même. Donc je crois que tout ça explique les raisons pour lesquelles on n'a pas autant de stimulation pour aller faire ce genre de choses. C'est aussi vrai pour la recherche, puisque pour envoyer un chercheur en Syrie ou en RDC, je pense que c'est généralement assez compliqué. Et donc quand il s'agit d'engager des capitaux, ça peut aussi être vrai. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis simplement qu'il y a des obstacles, et des obstacles structurels qui dépassent largement la question de la défense. Maintenant, ça me paraît être en revanche une très bonne idée, évidemment. Culturel. Sans doute, mais en fait, on a l'armée de notre nation, c'est-à-dire que l'aversion au risque, elle est dans toute la société. Je pense que c'est un vrai sujet, et c'est un sujet qui nous confronte face à des compétiteurs, puisqu'on parle de ça, qui ont l'air plus désinhibés sur la question du risque. Voilà. Donc ça me semble être un vrai sujet. Sur la question de la répartition entre, pour faire simple, le COS et le service action, je vais le faire de façon très caricaturale, je crois que le critère qui détermine cette séparation et qu'il faut bien avoir en tête, c'est celui de la revendicabilité de l'action. Quand on dit action clandestine, on ne sait pas très bien. Est-ce que c'est les faux papiers? Mais enfin, les faux papiers aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui vraiment caractérise la nature d'une action? En fait, la réalité, c'est est-ce qu'on est prêt à assumer une action qu'on mènera sur le terrain? Est-ce qu'on est prêt à se faire capturer quelqu'un et auquel cas on dira bah oui, il est à moi, rendez-le moi? Ou est-ce qu'on dira ce type-là, je ne le connais pas? C'est ça qui fait la ligne de partage des eaux, en fait. Après, derrière, il y a effectivement des capacités spécifiques, mais en fait. Et pour le dire très simplement, quand on prend un commando qui soit au groupement de commando montagne ou au service action, il n'y a pas forcément des... Enfin, le commando, c'est un commando, quoi. Il y a des capacités spécifiques, des niches, contre-terrorisme maritime, saut opérationnel à grande hauteur. Enfin, les types du GCM savent faire des trucs que ne savent pas faire les types du SA, par exemple. Et inversement, ou des certaines expertises qui sont détenues de façon plus large. Donc la réalité, c'est la façon dont on s'en sert. Commando des forces conventionnelles pour mener des actions de type commando, qui sont dans la culture et l'ADN depuis toujours. Au COS, une capacité à intégrer, comme j'ai essayé de vous le montrer, un certain nombre de facteurs et à en faire une ingénierie opérationnelle assez complexe. Et puis, service action, sans doute, mener un truc. Enfin, la caractéristique, c'est pas vu, pas pris, prix pendu. C'est assez simple, en fait. Enfin, et je voulais dire juste sur le fait qu'on pourrait... ne jamais se tromper et ne jamais faire de perte civile. Je pense qu'il y a aussi une chose qu'il faut avoir bien en tête par rapport aux guerres contre le terrorisme qu'ont pu mener les États-Unis. Et j'en témoigne. C'est qu'en fait, c'est aussi pour ça qu'on met des commandos sur le terrain pour faire un certain nombre de choses et que, notamment au Sahel, ça a été quasi systématiquement, on a armé nos drones qu'en 2019. On a quasiment, jusqu'en 2019, en tout cas au moment du surge au Sahel, jamais fait des frappes aériennes massives ou alors en juste un préalable avec des effets extrêmement calculés, mais pour mettre des gens sur le terrain derrière, pour discriminer au maximum. Donc il y a une recherche dans la façon dont on a conduit nos opérations de ciblage, une recherche de la discrimination et notamment de l'identification des cibles, sans doute plus poussée que l'ont fait les Américains, qui ont par ailleurs, en leur défaveur, le fait d'avoir fait sans doute 200, je ne sais pas quel facteur d'opération de plus que nous. C'est-à-dire que quand on fait des milliers d'opérations, eh ben, on a un peu plus de pertes civiles que quand on en fait des centaines, par exemple. Mais je crois que cette façon de faire aussi explique qu'on a peut-être l'impression qu'on ne se trompe jamais. On s'est trompé, il y a eu des cas, mais je crois moi aussi, enfin dans ma partie en tout cas, avoir vu qu'à chaque fois qu'il y a eu un doute, il y a eu enquête. Et quand on s'est effectivement trompé, et au Sahel, je peux dire que ça doit se compter sur les doigts d'une main, il y a eu le process nécessaire de réparation, même si évidemment une réparation n'efface pas un acte qui n'aurait pas dû avoir lieu. Mais c'est une part d'une réalité froide, qui est celle du brouillard de la guerre, qu'on peut essayer de dissiper au maximum, mais qu'on dissipera jamais complètement, parce qu'il y a des permanences qui n'échappent, enfin, que la technologie ne réduira jamais. Donc faire la guerre, ça fait des morts, et pas toujours ce qu'on voudrait faire. Voilà. Bah, très rapidement, Paul, quant à ta question sur le rapport à l'histoire et les apports de l'histoire, moi, je suis absolument convaincu, comme toi, que la recherche historique sur les services de renseignement doit être au centre des études sur le renseignement, à côté de la science politique, de la philosophie, de la sociologie et des autres sciences sociales. Il y a d'ailleurs des thèses en cours qui sont,
qui seront bientôt soutenues sur ce... Sur cette dimension, mais qui, à mon avis, renvoie aussi, en essayant de ne pas tout inclure dans tout, mais en fait à la question RH et à la question de la mémoire institutionnelle. Il a été dit au moment de la crise ukrainienne par un certain nombre de journalistes que, au fond, tout allait bien parce que c'est ce qui expliquait pourquoi les services américains avaient réussi à dire la bonne chose alors que les Français s'étaient non pas trompés mais avaient fait une autre analyse. C'est que, au fond, on revient au cœur de métier de ce qu'est le renseignement, c'est-à-dire la mesure des intentions et des capacités étatiques, et que bon, la CIA a fait ça pendant toute la guerre froide, donc d'un seul coup, il y aurait une sorte de génération spontanée de retour à des formes de tradition. J'ai un très très gros doute sur cette interprétation. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des générations spontanées au sein des services de renseignement, de la même manière qu'il n'y en a pas non plus dans les autres administrations de l'État. Donc là, pour le coup, à la fois rapport à l'histoire, apport de l'histoire, pour, comme tu disais, Paul, la compréhension de ce qui s'est déjà passé, avec en plus maintenant une tendance qu'on observe très, très fortement, notamment au Royaume-Uni, et qui sera peut-être une tendance à venir d'ici 5-10 ans, si le comité d'histoire piloté par la Coordination nationale du renseignement porte ses fruits, c'est de considérer que l'histoire doit être un facteur de socialisation des nouveaux entrants dans les communautés du renseignement, en faisant le constat que ces services sont particulièrement amnésiques de leur propre méthodologie et de leur propre histoire. Donc là, 30 ans du COS, 30 ans de la DRM, anniversaire de la DGSE bientôt, il y aura peut-être un mouvement. Voilà. Et ce pourquoi les historiens britanniques ont largement investi ces dernières années, ont fait des histoires officielles, c'était en partie en réponse à cet impératif exprimé par les services britanniques, d'écrire une histoire qui soit une sorte de ciment culturel, de point de repère, voilà, de point de validité, de stabilité de ce que sont ces services, ce qu'ils ont fait et ce pourquoi ils existent et quelle est leur vocation. Donc absolument d'accord avec toi sur le caractère décisif des études historiques. Non, moi j'ai... Moi, je ne vais pas vraiment réagir aux questions qui ont été posées au niveau du cas français, quand même. En revanche, je pourrais répondre sur la partie de votre question, sur le fait de savoir si c'est une stratégie pensée en Russie, si ça vient ou des acteurs sur le terrain ou du pouvoir central. Je pense qu'on pourrait peut-être en parler aussi avec Dimitri Minik à terme, justement, pour savoir dans quelle mesure, en tout cas, la stratégie opérationnelle intègre ça. Ce qui est sûr, c'est que la stratégie russe en général l'intègre de toute évidence, puisque donc j'ai évoqué ce concept du runet souverain qui donc s'applique directement au territoire d'Ukraine et qui montre clairement l'intérêt que la Russie porte au contrôle de son réseau Internet, puisque la Russie est en train, ou en tout cas essaye de développer, on en a une spécialiste dans la salle ici même, qui travaille avec moi et avec nous, un réseau de plus en plus fermé, de plus en plus contrôlable et contrôlé. Il est clair que cet aspect du routage est très très considéré par les autorités russes et la défense russe. Malheureusement, cette demi-journée touche à sa fin. Je vous remercie tous pour votre présence et votre participation. Et bonne fin de journée.